con los gritos y los goles se me saltan las pasiones, me gusta el fútbol. A Flelou et moi, on est fous de foot. Me gusta el fútbol en casa. On est foot d'Afflelou. Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire du football. Le Real Madrid, ses 6 Coupes d'Europe des clubs champions, ses 2 Coupes de l'UEFA, débarque au Parc des Princes fort d'un succès 3-1 obtenu il y a 2 semaines lors du match aller de ce quart de finale de la Coupe de l'Union Européenne. C'est dur de jouer contre un monument. Ça fout la trouille même. Mais le Paris Saint-Germain est un club en devenir et après des victoires contre Naples, Anderlecht, une qualification contre le Real agrandirait d'un coup une salle des trophées, pour le moment un petit peu modeste. Et puis, c'est la bonne semaine pour le sport français. Prost et Renault, vainqueurs à Kialami en Formule 1. Limoges qualifié dans le dernier carré du championnat d'Europe de basket. L'équipe de France de hand qui vient d'arracher cet après-midi une place en finale du championnat du monde. En attendant le 15 de France qui jouera samedi après-midi contre le Pays de Galles pour une victoire dans le tournoi des 5 nations. Et après, bien sûr, Marseille et Auxerre, formidables vainqueurs en Coupe d'Europe depuis mardi soir. C'est vrai, le sport français est en train de se construire son histoire. Nouvel acte tout de suite en direct sur Canal avec ce Paris Saint-Germain-Real Madrid. Bonsoir, bonsoir, et c'est à Paris bien sûr, au pied de la Tour Eiffel ou presque, que l'on attend que, comme le montrait Chénez, le PSG terrasse le taureau madrilène. C'est la troisième levée du tiercé football de cette semaine, Auxerre mardi, Marseille hier, ça s'est merveilleusement passé. Aujourd'hui c'est au tour du PSG et ce n'est pas le plus facile puisqu'il y a tout simplement à remonter un 3-1 à Madrid. 3-1, ça va être très difficile. D'autant plus qu'il manque dans l'effectif de PSG deux joueurs, un Laurent Fournier et un autre à la Roche qui sont là parce qu'ils se sont, j'allais dire, mal conduits, c'est pas vrai. Petit pépin, petit carton rouge de Madrid, ça doit toujours vous rester dans la tête. Oui, énormément, parce que je pensais pas que je méritais un carton rouge, je pensais avoir un carton jaune, mais bon, il y a un geste d'anti-jeu et bon, c'est la sanction. Mais c'est terrible parce que quand on voit un stade comme ça plein, on a envie d'être là et en plus on est impuissant. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont motivés. On va voir ça. Pour le moment, comme Alain est avec nous, qu'on a la chance de pouvoir suivre l'échauffement parce qu'on a encore une demi-heure avant le début du match, on va suivre l'échauffement avec Alain. Nous, on va regarder l'écran, là, celui-là. Et puis Jérôme va braquer ses caméras. Alors, le PSG vient juste de sortir il y a une dizaine de secondes. Que s'est-il passé avant, déjà, d'abord, dans le vestiaire? Ben, concentration, chacun dans son coin, en train de préparer ses crampons, en train d'analyser un petit peu, de discuter tactique, les schémas techniques, les placements sur les coups de pied arrêtés. Et après, bon, je veux dire, c'est une concentration individuelle un petit peu. Et là, chacun fait le vide. Et maintenant, c'est un peu la délivrance quand on rentre pour l'échauffement. Alors là, on suit Jean-Luc Sassus parce que, Alain, je crois que chacun a son mode d'échauffement. Jean-Luc, il s'échauffe, par exemple, comme vous ou comme Antoine, comme pas mal de défenseurs. Oui, moi, je m'échauffe comme Jean-Luc, tous les deux, en plus, on fait l'échauffement ensemble. C'est par des cours sur le demi-terrain pendant 5 minutes à peu près pour chauffer les muscles. Et après, on commence un petit peu à toucher le ballon, à caresser la balle pour se mettre en confiance. Et Antoine, lui, touche de suite le ballon, il ne court pas trop, il s'échauffe de suite avec ce ballon pour avoir confiance. Et après, il y a un échauffement collectif. Et là, je veux dire, là, on se concentre, on discute et là, on s'arrache. Comment, à ce moment de l'échauffement, alors que les Madrilènes sont en train de sortir, comment est-on habillé? Avec ses vraies chaussures de match, son vrai maillot? Ça dépend. Non, on a un maillot d'échauffement, mais pour ce qui est des chaussures, ça dépend. Moi, j'ai mes chaussures de match. D'autres ont plutôt des crampons moulés. Ça dépend des joueurs. On va essayer de trouver, Jérôme, de trouver Antoine Camboire. Là, il y a Joël Batz qui est au milieu de tout le monde. Vous savez, du côté de PSG, c'est un petit peu une figure mythique, Joël Batz. Voilà, regarde, Alain. Là, il y a Antoine, donc Antoine qui joue gros aujourd'hui parce qu'il prend votre place.
Antoine, qui n'est pas forcément un garçon inquiet, mais qui aujourd'hui, quand même, ça doit un petit peu trotter dans sa tête. Oui, enfin, je l'ai trouvé très calme. Je veux dire, il a l'expérience, il a l'habitude de ses grands rendez-vous. Bon, c'est vrai que quand on joue pas souvent, c'est difficile, mais bon, il a joué contre Lyon. Et là, il a à cœur de faire un grand match, et ça, je lui fais confiance. Je veux dire, moi, je suis pas irremplaçable. J'en ai trois à pouvoir tourner constamment. Aujourd'hui, c'est lui qui joue et il va faire en plus un grand match. Quand tout le monde va rentrer au vestiaire, c'est-à-dire dans 20 minutes, on vient, on s'assoit, on se change. Oui, on s'assoit, on s'essuie, on met le maillot de match, on met les crampons de match et on se motive. Et après, on rentre, on se libère surtout. Merci Alain, on va voir tout ça. Vous allez vous mettre où pour suivre ce match? Parce que ça doit pas être commode. Non, l'angoisse, mal au ventre. Je suis un petit peu allé dans le vestiaire, je ne suis pas resté trop longtemps parce que c'est vraiment difficile à vivre. A tout à l'heure Alain, donc en espérant qu'on va vivre une très très belle soirée, mais ça on est sûr. On a des envoyés spéciaux un petit peu partout dans le stade. On verra tout à l'heure que Thierry, il a un coéquipier de luxe. Mais nous, on en a un déjà qui est, je ne sais pas où on va le trouver Jérôme, notre envoyé spécial là. Où est-il, le premier? Oui, Charles Bietri, je me trouve au Snack Bar, et qui dit Snack Bar dit serveur. Bonsoir. Bonsoir. Et est-ce qu'on pourrait avoir un résultat net et précis? Ah oui, oh, ce soir, belle soirée. Le parc est bourré, je dirais 20 à 25 000. Voilà, Charles, donc 20 à 25 000 buts annoncés. Ah non, 20 à 25 000 francs de recettes. Ah, 20 à 25 000 francs de recettes. Je vois que vous y connaissez en football, est-ce que vous pouvez expliquer? Monsieur le football, toute ma vie. Oui, par exemple, ici, vous avez les abricots contre les eaux de montagne. Mm-hmm. Eh bien, regardez, une simple petite passe... Et c'est un but. Ah, c'est magnifique. Charles, avant de reprendre l'antenne, je vous propose de revoir cette action ralentie. Merci Moustique, car vous l'avez reconnu, bien sûr. C'est Moustique, l'un des nouveaux qui enchantait nos samedis soirs et qui maintenant vont enchanter nos vendredis soirs. Vous n'êtes pas des centaines de milliers à les regarder. Vous avez tort. Vous allez maintenant, j'espère, être beaucoup plus, car ils font partie d'une nouvelle génération de beaux et de grands comiques. On va revenir un petit peu plus sérieusement avec Ricardo à ce qui s'était passé au match aller, c'est-à-dire à ce Real PSG, qui va peut-être nous offrir une partie de la vérité de ce qui va se passer ce soir. En tous les cas, François Pécheux est allé là-bas. François Pécheux nous a rapporté, bien sûr, des images inédites, une sensation inédite aussi de ce match aller et de ce qui se passera peut-être ce soir. Premier voyage donc au cœur de ce Real PSG. Ça pourrait être la morale de l'histoire. L'expérience est un long apprentissage et oui, il faut du temps pour devenir grand. La fin du match aller. C'est l'heure des gorges serrées, des larmes à fleur de peau et des premiers regrets. Ginola. Colter. Bernard Lama. Et c'est Santiago qui a eu le dernier mot. Santiago Bernabéu, l'âme du Real, celui qui a insufflé cet insatiable appétit de victoire. Parce que le Real, c'est déjà un grand d'Europe. 6 Coupes des Champions, 2 UEFA. Et sur les épaules des joueurs, l'histoire du club pèse de tout son poids. Rocha, Sanchez, Prozinecki, Michel et Butragueño. Toute la tradition du Real pour une équipe qui court après sa gloire passée. Benito Floro entraîne le Real depuis cette année. C'est lui qui a pris en charge cette nouvelle mutation. Là, ils sont capables aussi de faire ce pressing là, aussi dans les touches, ok? Dans les touches, ils sont capables de faire un pressing terrible, pas toujours, mais une fois ou deux par match. Arthur Georges, bien sûr, a épluché tout le jeu des Madrilènes, mais il n'y a pas que sur les touches que le Real met la pression. Regardez en défense, par exemple. Chaque ligne de terrain est parfaitement encadrillée. Le Real bloque chaque issue possible. Le Barça, on sait quelque chose, battu en championnat 2-1, est toujours à l'affût pour défendre Nando ou Lassa.
Ce sera difficile de passer au Parc des Princes. Et quand le Real attaque, là encore, il faut se méfier. Le ballon entraîne les mouvements de jeu. L'attaque ne perd jamais de temps et les individualités font le reste. La tête de Zamorano, par exemple. Ou le pied droit de Michel. Le Real frappe vite, le Real frappe fort et souvent par surprise. Les grands palmarès se construisent rarement par hasard. Les Parisiens auraient dû se méfier. Tiens, la tête du commentateur local. Déjà, c'était un signe. Les Parisiens auraient dû se méfier aussi de la petite lumière dans l'œil de Floreau quand il dit que le PSG est une équipe de très grande valeur, comme si Floreau avait passé un pacte avec le génie de la victoire. Les Parisiens auraient dû se méfier davantage du stade Bernabéu, où même les chiens policiers sont énervés par les ballons de Georges Weah et où les dirigeants ont plus peur que les joueurs. C'est comme si j'avais une araignée ou un crabe à l'intérieur qui me bouffe quoi. Peur de l'ambiance du Real, non, pas du tout, non. J'ai l'air d'avoir peur. Et pourtant, ils étaient tendus, les Parisiens, sûrs d'une seule chose, on apprend tous les jours, on n'a jamais gagné d'avance et il faut du temps, beaucoup de temps, avant de rouler les mécaniques dans la cour des grands d'Europe. Et puis, il y a toutes les choses qu'on ne sait pas, les mauvais esprits, celui qui peut planer sur un match décisif. Il y a 15 jours, il était du côté du Real. Attendez un petit peu et vous verrez comment il a tenu entre ses mains tout le destin du match aller. Bonjour. Et nous voilà revenus donc au Parc des Princes à la mi-temps de ce reportage de François Pécheux où on voit en conversation Michel Denisot, Noël Le Graët et Guy Roux, m'a-t-il semblé, effectivement, alors que l'échauffement se poursuit. Et là, on arrête parce qu'un de nos envoyés spéciaux, encore, est en train de nous appeler, ne serait-ce pas à nouveau Moustique. Oui, monsieur Charles Guétry, je suis au pied des marches du Parc des Princes et je vois arriver un jeune Hidalgo hispano-ibérique d'Espagne. Bonsoir. Hola, ¿qué tal? Espana, la télévision? Si, la télévision française. Un petit score, peut-être? Je vous remercie, ça va très très bien, merci beaucoup, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, non, mais je parle du match de ce soir, PSG-Madrid. Vous savez, ma mère est née à Madrid, mon père est né à Paris, et pour moi c'est une question très 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 tortueuse, et vous comprenez que ce qu'il y a de beau dans le sport, c'est qu'il est dénoué de l'esprit de la compétition. Et on peut avoir une conclusion? Si, que le meilleur il gagne. Los dedos en analyse. J'ai pas tout compris à vous, Charles Guétry, gracias, señor. En fait, si moi j'ai bien compris, il a dit les doigts dans le nez pour finir notre bel Hidalgo, un des nouveaux, bien évidemment. On va, alors que vous découvrez, et c'est important à l'échauffement, Amara Simba, car Amara Simba, on peut vous le dire maintenant, car c'est quasiment officiel, va débuter la rencontre. Amara Simba va être associé en attaque à Georges Weah, et voilà Ricardo qui est allé lui parler, car tous les joueurs ont été ravis de voir Amara Simba débuter cette rencontre, lui qui souffre, qui rame depuis pas mal de mois après sa blessure et qui va donc retrouver un poste en attaque. Ça, c'est une nouvelle. Maintenant, autre nouvelle, nous allons suivre la suite de ce que nous racontait François Pécheux en amorce de ce PSG Real qui s'annonce assez fameux. Au match aller, tous les supporters vous le diront, c'était comme si quelqu'un avait aidé les madrilènes. Un 12e homme qui aurait eu le pouvoir d'anesthésier ou d'engourdir un petit peu les Parisiens. Quelqu'un qui aurait eu entre ses mains un pistolet magique, par exemple, pour agir à distance. C'était un petit peu comme si le Real avait été sûr de son coup. Regardez l'entraînement par exemple, c'est vrai que quand les génies travaillent pour vous, c'est plus facile et il n'y a pas de raison pour se stresser la vie. Même chose pour Emilio Butragueño, soit dit en passant, il a bien fait de choisir le foot plutôt que le cricket, Emilio. Rosinecki était malade au match aller, il veillait simplement à ce que le ballon, lui, n'attrape pas froid. Mais les Parisiens n'ont pas fait attention à tout ce qui se tramait dans leur dos. C'est vrai, plus personne ne croit au mauvais génie. Et puis, l'heure du match arrive, avec l'énervement, les photographes et la pression. Plus personne ne croit au mauvais génie, simplement pour se calmer les nerfs, on s'occupe un petit peu les mains, comme on peut. Un cigare que l'on fait disparaître, par exemple. Mais ça, ce n'est pas la vraie magie. La vraie magie, on vous l'a dit, c'est pendant le match.
Le marquage. Et pendant le match, tout le monde était bien trop perturbé pour prêter attention à ce fameux 12e homme. Le Gwen qui tourne les yeux. Lama qui se place mal. Et c'est le premier but du Real. Boutragueño à bout portant. Voilà, c'était comme un instant suspendu, une paralysie, une erreur grossière en défense et l'affaire du Real est très bien engagée. Es ir a París a ganar, no? Nous irons à Paris pour gagner, dit Floro. Si nous gagnons, ce sera phénoménal. C'est dans notre intérêt de jouer la gagne. C'est vrai que quand on a le génie avec soi, c'est beaucoup plus facile. Le deuxième but du Real, l'échappée belle de Boutragueño avec Zamorano. Et les Parisiens ne s'en remettront pas. Le score final, vous le connaissez, 3 buts à 1. Et ça, c'est très très dur à avaler. C'est comme ça que l'on apprend. Il ne faut pas brûler les étapes, il faut un temps pour tout. Et ce n'est pas Arthur Georges qui dira le contraire. Lui pense déjà au match retour. Il sait que tout est encore possible, mais que ce sera difficile. Pour Zinecki, par exemple, sera remis de son angine et ses coups de pied vont cingler, c'est sûr. Mais Arthur Georges connaît son équipe. Il faudra marquer deux fois. Ouéa, lui, a une belle revanche à prendre. Et puis marquer contre le Real, c'est possible. Il faudra pour cela profiter de chaque opportunité. Chaque genou posé à terre pourra servir de déclic. Personne n'est imbattable. Personne n'est à l'abri d'une erreur de défense, même le grand Real. Alors pourquoi ne pas rêver? Pourquoi les Parisiens n'auraient-ils pas le droit de grandir avant l'âge? Et si les esprits ne soufflaient pas toujours dans le même sens? S'ils avaient décidé de retourner leur veste? Ce soir, le Paris Saint-Germain ne peut gagner que du bonheur. Il n'aura peut-être même pas besoin du mauvais génie, parce qu'il faut faire ses armes tout seul pour devenir un grand d'Europe. Avec Benito Floro, l'entraîneur du Real Madrid, à qui on va demander un petit peu comment se trouve son équipe et surtout après le match nul concédé la semaine dernière, dimanche dernier, au stade Santiago Bernabéu. Comment se encuentra l'équipe del Madrid et surtout después de l'empate en el Santiago Bernabéu domingo pasado? Bien, porque es un equipo habituado a jugar cada 3 o 4 días y pase lo que pase en un partido, necesita estar en buenas condiciones al siguiente. Une équipe habituée à jouer tous les 3 ou 4 jours et donc qui est en bonne condition pour jouer. Vous savez que nunca un club, une équipe française a podido ganar el Real Madrid. Bueno, eso son anécdotas de la historia, ¿no? Cada partido es otra cuestión diferente. Nuestra obligación es no mirar a la historia, sino en el presente y intentar lógicamente ganar el encuentro, que es el mejor aval para pasar la eliminatoria. Gracias, je lui disais que le Real n'avait jamais été battu par un club français. Il dit il faut pas regarder les anecdotes de l'histoire, mais on est ici pour gagner. Merci Eric, et anecdote toujours de l'histoire, alors que vous apercevez Francisco Bouillot, le gardien du Real Madrid. Autre anecdote de l'histoire, eh bien le Real Madrid est le dernier club européen à avoir éliminé Michel Platini en Coupe d'Europe. Michel était alors à la Juventus de Turin. Michel, vous jouiez contre la Dame Blanche, la Juventus c'était la vieille dame, et pour votre dernier match européen, c'est la Dame Blanche qui l'avait emporté au tir au but même. Au penalty, oui. Mauvais souvenir, allez. Oh non. Non, on avait perdu 1-0 à Bernabéu, on avait gagné 1-0 chez nous, on a été au penalty, on a perdu. Michel, comment vous le sentez ce match? On a dit lors du match aller, les joueurs l'ont dit, ils ont été impressionnés un petit peu par l'histoire du Real Madrid. Aujourd'hui, il faut tout oublier là. Ça s'appelle l'expérience. Je crois qu'ils ne jouent pas contre des fantômes ou contre une histoire, ils jouent contre 11 hommes qui ont deux pieds comme eux, qui ont une tête. Et aujourd'hui, il faut qu'ils oublient que le Real Madrid est un nom mythique. Parce que le Paris Saint-Germain est un club tout neuf qui est né dans les années 70. Et c'est vrai que le palmarès n'est pas le même. Et je crois qu'il faut qu'ils oublient ça en priorité aujourd'hui. Michel, honnêtement, 3-1 lors du match aller, c'est jouable pour le PSG ce soir? C'est très jouable. On l'a vu avant-hier par le formidable exploit qu'a fait Auxerre.
pratiquement, ça s'est joué aussi à très peu de choses, la qualification. Alors espérons que ce qui s'est bien passé pour Auxerre se passerait mal pour le Real Madrid ce soir. Allez, on vous laisse 2 minutes, la pub à Paris, et on se retrouve ici en direct au Parc des Princes. A tout de suite. En quart de finale de cette Coupe de l'UEFA, le PSG a éliminé les Grecs de Salonique, les Italiens de Naples et les Belges d'Anderlecht. Mais au fait, qu'a fait le Real pour se retrouver ce soir au Parc des Princes? Rappel avec Pierre-André Lacroix. L'histoire européenne du Real Madrid cette saison commence en Roumanie, à Timișoara. 10 buts timides, car si Alfonso ouvre le score de la tête après un quart d'heure de jeu, le Real va être obligé de concéder le match nul après ce but de Cook. Mais ensuite, les buteurs du Real vont s'en donner à cœur joie. Ça commence dès le match retour, le Real joue en blanc cette fois-ci, et comme au match aller, c'est Alfonso qui marque le premier but, une nouvelle fois, de la tête. Tête plongeante pour Alfonso, qui prend à contre-pied le gardien de Timișoara. Luis Enrique ensuite marque le deuxième but en seconde période. Le Real mène ensuite 3-0. Après un 1-2 joué par Esnayer et Michel, Esnayer qui fixe bien le gardien avant de tirer, Michel marque le quatrième et dernier but et Timișoara est éliminé un partout à l'aller avant un 4-0 encaissé au match retour. Les attaquants madrilènes ont donc trouvé la mesure et le confirment à Bernabéu lors du match aller des 16e de finale face au Torpedo de Moscou. La première période est à mettre à l'actif de Hierro, 3 buts en un peu plus d'une demi-heure, une tête, une frappe du droit à quelques centimètres du but, avant finalement une nouvelle frappe du droit, cette fois-ci tirée des 20 mètres. De quoi relâcher l'effort ensuite, Stitkov tout d'abord en profite, puis Grishin pour le Torpedo de Moscou marque un deuxième but, on joue depuis 45 minutes, 5 buts ont été marqués et le Real mène 3-2. Mais la seconde période va permettre au Real de se mettre hors de portée. Zamorano est à la conclusion pour le quatrième but. Pénalty de Michel pour le cinquième. Le Real Madrid va attaquer le match retour avec un avantage de 3 buts. À Moscou, il ne faut pas attendre 10 minutes pour que cet avantage de 3 buts passe à 4. Un corner et une déviation de Zamorano, le Real ouvre la marque. Mais dans la minute qui suit, corner de l'autre côté, Talaev marque et le Torpedo égalise. En seconde période, cependant, nouvelle attaque madrilène et tête plongeante de Hierro, qui rappelle beaucoup celle d'Alfonso contre Timișoara. Madrid a repris l'avantage et a surtout marqué les 2 buts à l'extérieur que lui avait infligé le Torpedo lors du match aller. Le Real peut dérouler et laisser Tichkov et Mourachev faire en sorte que le Torpedo gagne cette rencontre. Une première défaite de la saison en Coupe d'Europe pour le Real, qui n'empêche pas cette équipe de se qualifier pour les 8e de finale. 8e où le Real est opposé aux Néerlandais de Vitesse Arnhem, match aller aux Pays-Bas, où les Espagnols vont obtenir la victoire, un but par Hierro, son 5e en Coupe d'Europe cette saison. Au retour, même score, mêmes effets, le Real Madrid marque un but par l'intermédiaire de Zamorano. Victoire 1-0 à l'aller comme au retour, le Real obtient le droit de rencontrer le PSG en quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Équipe du Paris Saint-Germain entraînée par Arthur. Et c'est donc maintenant le match aller, vous l'avez vu dans les images du sujet de François Pécheux, 3 buts marqués par le Real, qui a donc, vous l'avez vu, marqué 17 buts dans cette Coupe d'Europe depuis qu'elle est entamée cette saison, alors que le PSG n'en a marqué que 8. Espérons que ce ne soit pas là un mauvais présage. Et le PSG, là maintenant, prêt à entrer dans ce qui va être une arène, car on a rarement vu un public aussi chaud à Paris. Il ressemblerait presque au public de Marseille, qui hier, lui, a été exceptionnel. Alors, composition des équipes, tout de suite, puisque vous avez vu Amara Simba. Vous savez qu'il joue et que Daniel Bravo est remplaçant. Lama donc dans les buts, en défense donc Sachus Comboiré qui remplace Alain Roche, Ricardo et Colletter. Milieu de terrain, bah, tout ça est, on vous l'a mis un petit peu de travers parce qu'on ne sait pas trop comment ça va jouer. Le Guen et Guérin vont être un peu plus défensifs. Valdo sera chargé d'organiser. Ginola devra certainement plonger ou à droite ou à gauche aux côtés des deux attaquants que sont Wea et Simba, qui n'ont joué, je crois, qu'un quart d'heure ensemble cette saison. Remplaçant, Bravo, Cloarec, Reynaud, Germain et Dutruel, le gardien de l'équipe de France Espoir. En face, c'est le Real Madrid a aussi ses absents avec Sanchez qui est suspendu et Martin Vazquez qui n'est pas qualifié, bien sûr, mais rentré de Rocha, le Brésilien, en défense centrale.
aux côtés du grand Ramis. C'est toujours Bouillot qui est dans les buts. Nando et Laza aux ailes de la défense. Hierro, formidable joueur espagnol, est un milieu de terrain défensif. Michel, vous le connaissez bien, surtout si vous regardez l'équipe du dimanche. Luis Enrique, finalement, qui occupera le poste de milieu gauche. Derrière, Prozinecki, l'attaquant croate. Et puis, Butragueno et Zamorano, deux attaquants qui font beaucoup, beaucoup de mal aux défenses espagnoles et aux défenses européennes. Le gardien remplaçant à le 13, il s'appelle Jarro. L'entraîneur, c'est Benito Floro, vous le connaissez bien maintenant. Trio d'arbitres, trio d'arbitres hongrois pour diriger ce quart de finale retour de la Coupe de l'Union Européenne. Un trio emmené par Monsieur Poule et Michel. Si vous êtes attentif et physionomiste avec Monsieur Poule, vous avez reconnu peut-être l'arbitre de France-Angleterre à Malmö. C'était lors de l'Euro 92. Ne regardez pas l'arbitre. Bien sûr, Thierry. Voilà, trio d'arbitres hongrois dans 90 minutes, voire dans 120 minutes en cas de prolongation. Le Paris Saint-Germain pourrait être le 17e club français à accéder à une demi-finale de Coupe d'Europe. Retenez ce chiffre et comparez-le à l'histoire du Real Madrid. Le Real Madrid a disputé 21 demi-finales de Coupe d'Europe. C'est un monde qui sépare ces deux pays de football, mais le football français, on le sait, progresse d'année en année. Et le Paris Saint-Germain rêve d'imiter la JOCR et l'Olympique de Marseille. Séance de photos qui peut être historique donc pour le PSG, qui joue dans ses couleurs traditionnelles, alors que le Real de Madrid ne jouera pas dans ses couleurs blanches. Il a été obligé de changer, il joue en bleu. Et Arthur Georges, toujours assez mystérieux dans son comportement avec les joueurs. Les joueurs du PSG, ainsi hier, se sont fait une petite réunion tout seul, sans lui, peut-être pour resserrer encore un peu plus les liens entre eux. Mais quand on sait que la JOCR à Amsterdam a fait exactement la même chose, ils sont aussi réunis, les joueurs, sans leur entraîneur. Arthur Georges qui n'a appris à Amara Simba qu'à 17h ce soir, au moment de la dernière réunion, qui serait titulaire. Amara Simba en était tout retourné, tout chose. Sans doute aurait-il préféré le savoir un petit peu plus tôt. Mais chacun a sa méthode. Benito Floro, c'est une autre méthode aussi. Jeune entraîneur qui vient d'arriver de sa campagne, presque, dit-on en Espagne. Vous savez qu'en Espagne, comment on l'a appelé, Benito Floro? El Paleto, ça veut dire le plus... La presse madrilène lorsqu'il est arrivé là, parce qu'il arrivait d'Albacete. Qu'il avait fait monter quand même en première division. Il a même fait monter 5 équipes en 8 ans en division supérieure. Alors en ce moment, dans la Liga, le championnat espagnol, le Real Madrid occupe la deuxième place à un point du Football Club de Barcelone de Johan Cruyff. Et le capitaine du Real ce soir, vous venez de l'apercevoir, ce sera El Butré, Emilio Butragueño, en l'absence bien sûr de Sanchez, suspendu. Voilà, c'est le Paris Saint-Germain qui va donner le coup d'envoi de ce quart de finale qui a rempli le parc. Wea, Simba, les deux fers de lance pour marquer deux buts au moins à Francisco Bouillot. Et regardez Wea, il va sans doute laisser le ballon à Simba pour l'engagement. Il a eu des gestes Wea pour Amara Simba depuis 17h, depuis que les deux hommes savent qu'ils vont jouer ensemble. Il a eu des gestes et des pensées assez extraordinaires pour soutenir Amara. Voilà, il a effectivement laissé le premier ballon à Amara Simba. Et c'est parti avec Le Guen qui a donné en retrait vers Ricardo. Balle profonde de Ricardo. Et première intervention d'un Brésilien, Rocha, qui concède quoi ? La touche ? La touche. Remise en jeu du capitaine Le Guen alors que Ricardo est monté dans la surface de Bouillot. Ricardo sollicité, mais battu de la tête par Hierro. Centre de Le Guen. Reprise Colter. Attention à Butragueño, pris par Valdo et par Colter. Intervention Ramis. Le Guen, Ginola. Le Guen encore, avec son pied gauche, il a levé la tête, il sort. Reprise et but de Ricardo. Non, Simba maintenant. Et sortie de la défense du Real avec Ramis, directement sur Colter. Ça suce. Avec Monsieur Poule qui l'a joué, mais là qui va devoir intervenir. Coup franc en faveur du Real. Quelle occasion pour Ricardo. Ricardo qui nous dit souvent
J'aurais voulu jouer attaquant, mais j'étais pas assez bon. Il nous ferait peut-être la démonstration là-dessus. Sur une reprise qui était relativement facile, il la manque. Début de Coupe d'Europe, Michel, c'est toujours rageant de manquer une occasion aussi nette, non? Mais il reste 90 minutes encore pour arriver. Je crois que surtout, il va falloir faire très attention au contre de Real Madrid. Avec Michel, Utragueño est sorti de la main. Est sorti maintenant de Guérin, Michel. Oui, il faut faire attention. On aurait pu faire 1-0, mais 1 aussi. Hein, je crois que le problème de Paris Saint-Germain va être une part de neutraliser complètement Utragueño. Je crois. Et ensuite, ça va venir, ça va passer. Ginola servi par Wea. Ginola en débordement sur Nendo. Il a centré deuxième poteau, tête de Valdo. Au-dessus de la transversale de Bouillot. Et bien quel début de match. Il faut dire que le Real Madrid n'est pas réputé pour être une équipe très, très inspirée à l'extérieur. Le Real Madrid est très très fort chez lui, mais à l'extérieur c'est souvent très limite. Et la preuve c'est que défensivement ils ne sont pas exceptionnels. Vrai Michel, mais attention aux chiffres. 21 buts encaissés par le Real, c'est quand même la deuxième meilleure défense de la Liga. Oui, dans la Liga. Voilà. Et rendons à Paul ce qui n'est pas à Bernard, c'est Paul Le Guen qui a sauvé devant Michel cette balle de but. Wea avec Valdo. Guérin, centre de Guérin, tête de Rocha. Prochineski. Zamorano, l'attaquant chilien du Real. Avec un appui qui lui est venu de Luis Enrique. Lassa. Ramis. Hierro. Il y a Duchamp, Hierro devant lui. À sa droite, il a Butragueño, servi. Oh, Hierro ne s'est pas enfoncé. Il relance immédiatement de la main avec un contrôle orienté de David Ginola. Qui perd le ballon. Michel. Butragueño. Retour de Ginola, sanctionné par Monsieur Poul. Je crois qu'on va avoir un match assez fou parce qu'il y aura des occasions de but pendant au moins une heure et demie. Ça serait assez surprenant que ça finisse 0-0, mais il va y avoir des espaces, non? Et surtout que les Espagnols sont venus pour gagner. Quand les Espagnols disent qu'ils viennent pour gagner, ils viennent pour gagner. L'équipe d'Espagne était venue il y a un an et demi ici pour gagner et on les a pris systématiquement en compte. Et eux vont venir pour imposer leur jeu, l'image de Prochineski, de Michel et de Hierro, mais ils vont venir pour gagner. Et ils n'ont pas mis... Ils jouent à 4 derrière, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis un marquage individuel et sur Simba et sur Wea. Guérin qui s'enfonce avec une faute de Zamorano. Et quand ils étaient venus, Michel, pour gagner, ils avaient perdu 3. Hein. Ouais, mais ils avaient mis à 0. Ouais, mais ils ont perdu. Oui. Ils ont perdu 3. Hein. À 3, ça serait un bon score pour un peu plus de spectacle, car ça voudrait dire prolongation. Voilà, un coup franc. À 35 mètres de la cage de Bouillot. Ricardo réclame le ballon. Il a été suivi par Nendo. Valdo joue ce coup franc. Guérin, centre de Guérin. Comboiré, le buteur d'Anderlecht du Parc Astrid. Et vous allez voir que sur toutes les balles qui sont sur les côtés, c'est-à-dire y compris les touches, non seulement les coups francs, les corners, mais les touches, tous les grands de PSG vont monter. C'est une consigne assez nouvelle d'Arthur Georges. Il va considérer que tout ce qui est sur le côté est l'équivalent d'un corner et il veut que Ricardo, que Camboire et que Sassus montent à chaque fois. Ballon récupéré par Hierro et perdu au bénéfice de Le Guen. Simba. Valdo. Ginola. Cherchons une solution, Ginola. On l'a trouvé sur cette transversale en alertant Sassus dans le dos de Lassa. Lassa, Sassus, coup franc en faveur du Real. Lassa est un joueur en devenir, champion olympique d'ailleurs, Lassa en plus. Et puis qui a été le seul appelé en équipe dans le groupe de l'équipe d'Espagne, parce qu'on voit qu'il n'a pas joué, contre la Lituanie, le seul du Real. Champion olympique hein, dans cette équipe du Real Madrid, Luis Enrique, Lassa et Alfonso qui est sur le banc des remplaçants. Attention à Michel, dégagement de Colter, Nendo sur Colter à nouveau. Lama devra jouer au pied et il le fait trop long pour Ginola. David Ginola qui avait
séduit tous les spectateurs de Santiago Bernabéu et les journalistes madrilènes qu'ils ne connaissaient pas et qui dans leur papier l'appelaient l'autre parce qu'ils connaissaient les vedettes Wea, Valdo, mais pas lui. Et il est venu après El Magnifico, Zamorano, qui se heurte à Ricardo, ballon récupéré par Comboiré. Va chercher Jorge Wea. Repris par Prochineski, le Croate, Luis Enrique, Michel, Lendo, et à nouveau Simba, Ginola. Ginola en débordement sur Lendo, il est passé, mais couverture de Rocha. Les coups francs sans doute en faveur du PSG, non ça sera un corner. Non, coup franc, hein, dit Monsieur Poul d'abord, hein, non, en corner, non, corner. C'était Rocha qui réclamait le coup franc. Alors attention sur les corners, ça a encore été travaillé cette semaine. Ils y sont tous quasiment sauf Colletter et Guerra. Sassus qui plonge au premier poteau, mais le ballon est contré par Michel. Relance sur Butragueño. Valdo, en jeu. Oui, Michel. Hors jeu et bien hors jeu même. Et deux hors jeu. Alors qu'on revoit Ginola qui déjà au match aller à Madrid en première mi-temps était régulièrement passé sur son aile gauche et qui là effectivement avait eu un contact avec Rocha qui aurait pu être sanctionné. Le Guerrero, ça sera également Charles et Michel, peut-être un des duels de la soirée hein, entre ces deux numéros 6. Alors que là c'est Colter qui se fait réprimander par Monsieur Poul. Monsieur Poul, qu'on avait vu effectivement à France-Angleterre, mais qu'on a aussi vu cette saison, un superbe match, c'était Glasgow-Rangers, OM Olympique de Marseille. Butragueño. Hierro, frappe de Hierro, pied gauche contré par Comboiré, Prochineski. Ouvre vers Butragueño, devancé lui par Colter. Et relance vers Ginola, qui a encore Rocha dans son dos. Rocha qui relève de blessures, qui hier soir à l'entraînement nous a pas paru très très incisif, qui a paru manquer un petit peu de vitesse, qui en plus est en fin de contrat avec le Real Madrid et qui n'a pas eu les propositions qu'il pouvait espérer et peut-être pas dans sa meilleure forme. Voilà Michel vers Butragueño, ça c'est une action que vous reverrez souvent tout au long de la soirée. Hierro a trop écarté vers Laza. Le choix de Chélez est fait en tout cas. Comboiré. Ricardo. Ricardo qui est dans la mauvaise partie du terrain. C'est la partie centrale qui a été refaite. Cette partie où était Ricardo va être refaite à partir de dimanche. Valdo. Voilà Ginola, une de réussie. Valdo toujours. Il s'est débarrassé de Nando. Il va avoir du mal à se débarrasser de Michel. Ça y est, c'est fait. Cherche une solution avec Colter. Centre de Colter contré par Nendo. Arthur Georges a demandé de mettre beaucoup, beaucoup de pression et surtout de gagner beaucoup, beaucoup de duels. Et regardez les touches de Le Guen, comme un corner. Encore une fois, Ricardo est monté. Et c'est sa tête qui est cherchée en déviation pour Simba. Frappe et arrête Bouillot. Là, c'est mieux. Parce que la frappe de Simba est réussie, elle est vraiment au ras du poteau et il faut un bon arrêt de Bouillot qui a 35 ans, effectue une très très bonne saison après avoir été pourtant longtemps le remplaçant de Jarro qui est sur le banc aujourd'hui. 10 minutes en première période, Jérôme affiche le chronomètre et toujours 0-0. Michel contré par Le Guen. Le Guen qui a voulu servir Simba mais qui va obtenir le coup franc. On voit cette frappe aussi, pas très appuyée, mais tellement bien placée. Ginola. Toujours en débordement et en vitesse sur Nendo. Et toujours Rocha qui vient couvrir et qui va lui obtenir la sortie de but. Il connaît bien cette pelouse, Rocha, parce qu'il avait joué avec Ricardo
dans cette équipe du Brésil qui était venue battre la France cette saison, hein, ouais, début de saison. Début au mois d'août. Cherche la tête de Zamorano, surnommé l'hélicoptère au Real, en référence à Michael Jordan. Tête de Comboiré. Luis Enrique vers Zamorano, Prochineski. Pris par Vincent Guérin. Valdo. Enchaîne avec Giorgio Weah. Weah qui a éliminé Rocha pour servir Ginola. Le ballon revient au Libérien et retour de Ramis qui concède un corner. Allez, les coups de pied arrêtés, ça réussit au Paris Saint-Germain. 6 des 8 buts en Coupe d'Europe sur coups de pied arrêtés. 26 des 47 en championnat. Toujours Valdo pour tirer le corner. Cette fois, deuxième poteau. Boutragueño. Comboiré maintenant sur Mitchell. Prochineski. Mitchell. Boutragueño pris par Colter, mais Hierro a récupéré. Boutragueño, Lassa. Oh, Lassa qui a voulu alerter Zamorano. Ça suce. Comboiré. Mal ajusté son ouverture, mais Nando, lui, trouve la touche. Ah, le Real savait qu'il y aurait un début de match difficile. La première partie de son objectif est réussie. Ce début de match est passé et le Real n'a pas encaissé de but. Simba. Hierro en retrait pour Ramis. Luis Enrique. Lassa. Boutragueño. Guérin qui a intercepté pour servir Simba. Bouillon est sorti, bien protégé par Rocha. Ballon récupéré par Ginola. Allez, Ginola, en duel avec Nando. Tente le débordement. Que dit Monsieur Poule? Corner. Oh, coup franc. Oh, coup franc. Coup franc, Ginola, il est allé un petit peu plus loin qu'il n'aurait fallu. Mais Nando a taclé un petit peu plus tard qu'il n'aurait fallu. Et ça, c'est un bon coup franc. Comboiré, Ricardo, Sassu, Simba, Weah, Ginola devant Bouillot. Coup franc tiré par Valdo, deuxième poteau, tête et but. Avec un ballon qui est ressorti sur la tête de Ricardo. Sur la barre transversale. Ouais. Colter. Il a cherché Weah, intervention de Monsieur Poule. On revoit Valdo qui a cherché au deuxième poteau, Ricardo qui a sauté très très haut et la balle pleine barre transversale. Ça fait rien, ce sont des alertes qui sentent bon, Michel. Oui, ça sent bon. Je crois qu'il est important que PSG trouve son équilibre, surtout au milieu de terrain. C'est sa première fois, je crois, depuis le début de saison, que le Paris Saint-Germain joue pratiquement avec deux attaquants. Donc au milieu de terrain, ils sont un de moins, puisque Fournier n'étant pas là, c'est normalement Valdo, Guérin et Le Guen qui s'occupent du milieu de terrain. Et pour l'instant, ils ont du mal à trouver leur équilibre. Valdo qui ouvre vers Guérin, avec Weah maintenant. Ginola qui a maintenant le soutien de Colter. Il est servi, Colter. Ah, il a manqué le ballon et il est tombé sur Nando. Voilà, il a manqué son centre, ce sera une sortie de but. Malheureux sur cette action, Colter. Oui, je pense que David Ginola aurait dû attendre encore un dixième de seconde avant de faire la passe. Pour éliminer le défenseur, il faut fixer le défenseur et faire la passe ensuite en profondeur. Et là, c'est rien, là. C'est un effort qu'il a fait depuis 10 secondes, il était un peu fatigué. Et oui, vite, vite, venez les rejoindre, tous les deux. Et rejoindre la Juventus de Turin qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de l'UEFA en battant hier 3-0 le Benfica. L'autre quart de finale se déroule en ce moment. C'est Dortmund face à l'AS Roma. Prochineski. Taclé par Guérin. Voilà. Faute de Vincent Guérin et après il y a une faute de Colter.
qui était bien pire que celle de Guérin. Regardez, là voilà. Et ça, c'est pas un fauchage. Sur Mitchell. Ah oui, Arthur Georges a demandé, mais pas comme ça, j'espère, aux joueurs de PSG de gagner plus de duels qu'à l'aller. Il a regardé la cassette et il a estimé que PSG avait gagné un duel sur deux au match aller à Madrid. Il a dit c'est insuffisant à Paris, il faut au moins passer à 60% des duels gagnés. C'est une des clés du match. Mitchell reprend sa place. Au moment où Lendo joue ce coup franc vers le grand Hierro. La tête de Ricardo. Guérin. Prochinevski face à Sima. Enfin, pardon. Face à Camboire. Prochinevski. Lassa. Pris par Sassus. Mais c'est pas terminé. Lassa encore. Retour de Guérin. Ricardo. Sassus. Gwen, il va avoir du mal à s'en sortir. 17 minutes en première période, toujours 0-0. Et ballon dans les pieds de Luis Enrique, repris par le Paris Saint-Germain et par Paul Le Guen. Wea à sa droite. Il est servi, Wea, mais Ramis veille. Eh oui, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour Paul Le Guen parce que Wea fuyait sur la droite, Amara Simba fuyait au centre. Personne ne venait en remise. Effectivement, comme le disait Michel, l'équilibre du milieu de terrain pour la construction de jeu, pour le quadrillage du terrain est absolument capital. Soirée européenne peut-être, mais le Minitel marche toujours. 36-15, code CPLUS pour poser vos questions et gagner un voyage au domaine de Mianing au Sénégal. Offert par Eldorado, alors que faute ici sur Amara Simba, faute de Rocha et Hierro. Voilà Hierro. Colter avec Ginola. Il se heurte à Nendo, mais Monsieur Poul laisse jouer. Prochinevski, repris par Colter. Camboire. Sassus toujours un centre qui passe derrière la cage de Bouillon. Oui, Sassus qui a voulu se servir de sa vitesse. Hein. C'était un coureur à 18 au 100 mètres, c'était un coureur à 8-9 au 80. Mais il n'a pas pris suffisamment de champ pour redresser son ballon. Et toujours 0-0. Et quoi que fasse le PSG, tant que le score sera 0-0, ce sera une très mauvaise affaire. Et Boutragueño qui a le ballon sur la déviation de Zamorano. L'appui de Mitchell. Centre de Mitchell, la balle sortie devant Zamorano, il a bien fait. Il a bien fait et il l'a bien fait. Guérin. Baldo. Corvaldo qui a éliminé Luis Enrique qui le retrouve sur sa route. Tous les cas, ce que disait Michel est encore un peu plus visible maintenant, c'est que le Real est venu pour gagner parce que le Real est en train de monter son dispositif minute après minute un petit peu plus haut dans le jeu. Centre de Valdo, tête de Wea. Un petit peu long pour David Ginola. Ce qui peut profiter au PSG car maintenant la situation de contre est un petit peu plus facile à exploiter que tout à l'heure. Actuellement, c'est du 3 contre 3 dans chaque 18 mètres de chaque équipe. Il y avait Simba, Wea et Ginola contre 3 défenseurs. Et de l'autre côté, sur l'attaque du Real, il y avait Boutragueño, Zamorano et Luis Enrique qui étaient là. Alors, il peut tout arriver actuellement. Tête de Camboire sur Prochinevski. Mitchell. Bon, directement sur Amara Simba. Voilà un ballon dont Amara peut profiter en tentant une frappe contrée par Ramis. Et Simba qui récupère, Monsieur Poul l'est joué. Ballon pour Wea. Ginola, centre de Ginola. Simba, alors que Valdo était dans son dos. Dégagement Hierro sur Zamorano. Sassus. Lassa. Prochinevski. Hierro. Pressé par Guérin.
Nando, Hierro, Butragueño, Prochniewski, Luis Enrique, Prochniewski, Butragueño, appel de Zamorano, Butragueño préfère aller voir du côté de Mitchell, et il s'enfonce Butragueño, crochet, il est repris par Sassus, Valdo. Et la PSG revient d'un petit peu loin sur cette action. Ginola. Ah, Ginola, ça y est, il s'est débarrassé d'Endo. Il a Georges Ouéa dans le dos de Rocha. Orjo, oui Michel, oui Michel. Le drapeau s'est levé. Et David Ginola qui est quand même capable de faire les décalages depuis le début. Qui fait surtout la différence, Charles. Il est toujours en train de faire la différence sur Nando, qui est plutôt un joueur central plutôt qu'un arrière. Et en vitesse de course, il est complètement dépassé. Donc c'est peut-être de là que peut venir la délivrance. En tous les cas, c'est vraisemblablement d'un contre ou d'une balle arrêtée. Les solutions pour le PSG, mais que le PSG est ouvert derrière aussi. Butragueño, Prochniewski, Mitchell. Butragueño, déviation manquée, ça profite à Ricardo. Guérin. Repris lui par Luis Enrique. Butragueño, Zamorano. Valdo. Voilà, prendre le temps, faut prendre le temps. Avec Guérin. Comme Boiré avec Ricardo, il faut un peu plus de sérénité derrière, à la fois dans le placement défensif et dans la relance. Comme Boiré cherche Ouéa, il l'a trouvé. Colter, Le Guen, Ricardo, comme Boiré. Voulu lancer Sassus, trop long. Et Valdo lui reproche, bien sûr, c'est vrai qu'on envoie gicler du sable. Enfin, Chenez, on a vu ça il y a un mois. Oui. Bon, bah là, Luis Enrique et Sassus. Et c'est le défenseur qui a pris le dessus avec Valdo qui lance immédiatement Georges Ouéa. Oh, Ouéa qui a tenté le grand pont lobé. Oh là ! Tchaï, Bouillot qui a laissé échapper le ballon. Sur un petit coup de tête rusé et cachotier de Georges Ouéa. Ça encore, c'est une occasion perdue parce que c'était un ballon assez extraordinaire qui avait été gardé. Oh, Hierro, cette fois il est sifflé, regarde. Regarde, on va revoir, regarde le coup de tête de Ouéa. Elle n'a pas de rebond. Et Bouillot a le réflexe, hein. Bouillot n'est pas resté pétrifié comme beaucoup de gardiens l'auraient été. Le gardien de l'Ajax mardi, le pauvre sur cette affaire-là, serait tombé les bras, on croit. Allez, Le Guen pour le coup franc. Avec une tête de la défense du Real, une récupération Comboiré. Centre de Comboiré, tête de Ouéa, Ricardo, sortie de Bouillot. Et intervention de Monsieur Poule. Faute sur le gardien. Ah, Bouillot n'est pas très très grand. Bouillot, on a toujours dit en Espagne que c'était un gardien qui serait en difficulté sur les balles hautes en raison de sa taille. Il mesure 1m79 et en fait à Patrick Glantz, journaliste de l'équipe qui lui posait la question, il a dit non, 1m79 et demi. Ce qui fait toute la différence. Tête de Valdo, Rocha maintenant. Guérin, ballon toujours en l'air, Le Guen, Hierro. Le Guen, toujours pas de rebond, le voilà pour Zamorano. Zamorano face à Ricardo, Mitchell. Qui se heurte à Colter, sanctionné par Monsieur Poule. Clin d'œil de Mitchell. Obstruction classique. Il sera pénalisé par tous les arbitres du monde. Michel et son diabolique pied droit vont jouer directement sur Valdo. Prochniewski. Lassa. Essayé lui par Ouéa, Luis Enrique.
avec dans son dos Valdo et Sarsus. Une faute dit Monsieur Poul. Le public discute, mais s'il avait la loupe de Canal, il discuterait pas. Même 6 minutes en première période, toujours 0-0. Autrement dit, toujours avantage 3-1 pour le Real Madrid. Et c'est-à-dire qu'on achève la première demi-heure sans que PSG n'ait marqué. Or, il n'y a que 3 demi-heures dans un match et il faut marquer 3 buts. Ah, ou 2, 2-0. Et comme on a tous l'impression que le Real va forcément marquer une fois ce soir. Rochinievski, Berbout, Raguinho. En retrait, frappe de Luis Enrique. Qui n'inquiète pas Bernard là-bas. De Hierro, dégagement, Rocha sur Monsieur Poul. Rochinievski. Mitchell, petit pont sur Colter. Mitchell qui insiste pour déborder Colter. Mais cette fois, le défenseur aura le dernier mot avec Le Guen. Ginola. Allez, Ginola, Nendo. Elle appuie sur Wea, bousculé par Rocha. Ginola et Wea vont vite. Amara Simba aussi court vite. C'est une arme de camp. Rocha, on dit qu'il pourrait retourner à Palmeiras l'année prochaine. Voilà, Simba attentif sur la frappe de Paul Le Guen. C'est Jorge Wea qui met sa tête. Et Baldo va voir arriver Zamorano tout de suite. Faute du Chilien. Le prochain Espagnol qui fait une grosse faute, à mon avis, il a son carton. Et nouveau coup franc en faveur du PSG. De ce côté-là, Valdo à la manœuvre. Pour chercher qui ? Ah là là, Bouillot. Oh. En difficulté, Le Guen. Ginola. Toujours sur sa route, Zamorano et Nendo. Centre de Ginola, tête de Rocha. Rochinievski. Hierro. Retour de Simba, retour de Sassus. Oh, et l'arbitre, Monsieur Poul, n'a pas vu. Ça profite au PSG avec Valdo. Guérin. Un bon crochet. Un bon centre, la tête de Simba. Non, c'est celle de Rocha, la reprise de Le Guen. Au-dessus. Très difficile à tenter cette reprise. Il a fait, il est bien parti, mais je crois qu'il avait un tout petit peu le corps en arrière. Il a dû aller chercher le ballon très loin. C'est pour ça, regardez, il a été chercher le ballon très loin et il n'a pas pu la baisser la mire. Mais elle était tellement tentante. Elle est belle. Un petit indice quand même tout à l'heure, c'est cette très médiocre sortie de Bouillot sur cette balle aérienne, alors qu'il est absolument seul, qu'il peut s'en saisir à deux mains. Il fait un dégagement du point qui est assez minable. Quoi. Oui, mais la faute en incombe plus aux deux défenseurs qui lui ont pas dit qu'il était tout seul. Parce que Bouillot regarde la balle, les défenseurs peuvent le voir sortir et lui dire « Écoute, t'es tout seul, prends-la ». Très important la communication. Et Bouillot, Michel, en 1984, il était sur un des bancs de touche du Parc des Princes lors d'une belle soirée de juin. Quand Arcona et Da étaient dans le but de l'équipe d'Espagne et quand l'équipe de France est devenue championne d'Europe. Dans les murs, Canada. Mitchell avec Boutragueño. Dégagement Comboiré. Ramis. Bon. Ouais. Ramis qui est au centre de cette défense. C'est un joueur qui joue en deuxième division avec l'équipe réserve du Real Madrid et qui pourtant dispute ce soir son sixième match de Coupe d'Europe. Et de temps en temps, donc Benito Floro va le chercher. Bien. Change vers Ginola, ça sera long, non. Super contrôle de Ginola, centre. Bouillot sort, mais Simba était là lui aussi. Les centres sont trop aériens, ne sont pas assez tendus. Arthur Georges pourtant a demandé de chercher systématiquement le premier poteau
dans les centres. Pour le moment, ceux-là sont un peu trop faciles pour le gardien, hein, ou pour Rocha d'ailleurs. Valdo qui a servi Colter, Ginola. Ginola qui va encore chercher Simba, mais qui se heurte à Ramis. Valdo. Ricardo. Comboiré. Sassus. Il a passé un premier rideau qui se heurte au deuxième. Intervention de Monsieur Paul. Valdo. Valdo, tête de Wea. Ça passe pas loin. Ah, j'avais juste envie de dire qu'il fallait peut-être pas trop systématiser les centres, mais quand on voit comment George Weah peut s'imposer sur ce genre de balle, après tout, c'est des occasions obtenues à peu de frais. Regardez Bouillot qui est en train de reculer, qui est mal sorti. Si George Weah cadre cette tête-là, c'est but. Voltaire. Et encore dans la course de Weah, mais tête de Rocha. Lendo. Colter. Sorti, mais Ginola quand même sait faire beaucoup de choses avec ses pieds parce qu'il l'avait ramené très très vite. Oh, c'est Rocha le déménageur. Remise en jeu Nendo, Utragenio, Koshinevski. Wea, un appui sur Simba qui lui rend le ballon. Oh, Ramis qui a manqué. Oui, encore pour Simba. Simba qui s'est retourné à la lutte avec Lassar. Toujours Amara Simba le long de la ligne de corner. Il va obtenir ce qu'il était venu chercher là. Le fameux corner. Mais on avait frôlé mieux une dizaine de secondes plus tôt. Hein. Les grands sont montés, but de George Weah qui ouvre le score après 33 minutes en première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Indescriptible, jamais je crois le Parc n'a fait autant de bruit, peut-être que depuis les qualifications de l'équipe de France pour les Coupes du Monde. En tous les cas, on parlait du jeu aérien de George Weah et peut-être des difficultés de Bouillon. En tous les cas, lorsque ce corner est frappé au premier poteau, comme Arthur George l'avait demandé, eh bien c'est une occasion de but immédiate. Et regardez, il y a d'autres blancs pour marquer. Les blancs sont plus forts que les bleus sur ce genre de balle tendue aérienne. Oh, l'image. Une partie du chemin est faite. 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Et Guerra le ballon avec Amara Simba. Ginola qui réclame le ballon côté gauche, mais Simba qui insiste et qui se fait contrer par Nendo. Mitchell. Nendo encore avec un retour de Colter. Nendo est passé. Oh là là, 3 contre 3, peut-être 3 contre 2. Et Nendo qui sert Zamorano pour Boutragueño. Et ce ballon qui est enlevé au dernier moment, et heureusement. Il faut que les Parisiens calment le jeu. Ils n'ont pas intérêt à l'emballer. Ils ont encore 45 minutes, plus 10, 55 minutes pour marquer un but. Mais surtout pas prendre de but. Et ils ont le temps, ils ont le temps. Ah, et Michel, c'est ce que Arthur George est en train de dire à ses joueurs. Il a jailli de son banc de touche pour faire signe à ses joueurs de calmer, de calmer. Valdo. Il a dit, il leur a dit, on doit prendre tous les risques, mais sans se suicider. Et là, PSG a failli se suicider. Wea. Wea face à Lassar et face à Luis Enrique. Hey, ce ballon. Les moustaches sont là, Arthur George, Denis Troche. Et le ballon va être encore pour Paul Le Guen pour une longue touche. Sur laquelle Comboiré est monté cette fois et non pas Ricardo. Sassus aussi était là. Koshinevski. Boutragueño.
Ballon de Mitchell vers Luis Enrique, intervention Valdo. Le Gouen, Valdo. Valdo, dégagement Rocha. Le Gouen. Bien joué Colter pour Guérin. Valdo, Guérin. Guérin, Simba. Simba qui se bat. Mais le Real sort le ballon. Mitchell. Luis Enrique. Lassa. Ramis. Lassa à nouveau. Rochinievski. Vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions avec l'étoile rouge de Belgrade. Ramis. Directement sur Colter. Colter pris par Luis Enrique mais qui récupère le ballon. Et le perd à nouveau. Avec une frappe prise par la maille, reprise devant Boutragueño. Une frappe extraordinaire. Et une relance immédiate. Ça va vite, Luis Enrique a le ballon. Ça va trop vite. Et oui, Monsieur Poule en plus qui laisse beaucoup jouer. Rochinievski. Guéraud. Guéraud qui alerte Mitchell. Centre de Mitchell pour Zamorano en retrait. Boutragueño, dégagement de Ricardo. Oh oui, ça va trop vite. Voilà, on revoit ce tir superbe et cet arrêt de Bernard Lama qui s'envole et qui a surtout le réflexe et les jambes de repartir sur ce ballon. Ah, c'est dangereux pour PSG, mais ça nous fait une belle soirée. Le Real toujours en possession du ballon avec Lassa, Prochinievski. Hierro, trop haut pour Hierro, ça profite à Wea. Wea Nendo. Oh, Wea qui a embarqué Nendo et qui s'échappe. Ah, cette fois il est pris. Bien, courageux Nendo et qui est bien revenu alors qu'on dit pourtant que c'est le point faible de la défense espagnole. Ouais, mais lui aussi, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, c'était l'année dernière à Wembley avec Barcelone. Zamorano, Boutragueño, Zamorano, intervention Comboiré. C'est vrai que c'est lui qui a osé faire un transfert de Barcelone à Madrid. Ginola, Valdo. Et voilà le joueur qui sait mettre le pied sur le ballon. Guérin, ça suce. À gauche. Eh oui, il y a Le Gouen qui réclame le ballon. Peut-être Ricardo le verra-t-il. En tout cas, il a vu Wea et déviation de Wea sur Le Gouen. Le Gouen pris par Nendo. Colter, centre de Colter à Barasimba. Il y a Lassa aussi. Luis Enrique. Rochinievski à bel écran. Il relance sur Boutragueño. Ginola. Rochinievski. Et immédiatement, il y a six bleus qui se portent en attaque. Don Mitchell en possession du ballon. Contré par Le Gouen. Nando. Rochinievski. Hierro. Boutragueño. Taclé par Ricardo. Valdo. Ah, il oublie le ballon, Colter. Nando. Un petit peu en sur-régime, Colter, depuis 20 minutes. Il faut qu'il respire quelques secondes. Luis Enrique. Avec Hierro qui peut armer sa frappe contrée par Sassus. Wea sauvera-t-il? Oui. Et il relance sur Ginola. Rocha vient couper la route. Il le fait très bien. Et sans faute. 5 minutes encore dans cette première période. PSG mène à 0. Valdo a le ballon. Le Gouen. Valdo. Ricardo, Zamorano bien pressé. Et Ricardo obtient quand même la touche.
Attention, Zamorano élu sportif de l'année au Chili. Alors, c'est un international chilien. Ginola en retrait. Ricardo. Tête de Lassa. Luis Enrique, ça profite à Wea qui lance Simba et Ramis réussit se retourner. Hierro. Camboire. Ballo. Alerte Wea qui a dans son dos. Toujours le jeune Ramis. Ballo. Avec Luis Enrique qui aime jouer les troubles faits. Wea. Centre contré. Sassus. Ramis. Ouf. Sassus. Il n'est pas allé pour rien. Il n'est pas certain qu'on passe un arrêt de jeu. Il n'est pas un carton même. Et là voilà la faute. En tout cas de Guerra. Sur la salle. Ouais, Monsieur Poul a simplement fait signe à Jean-Luc Sassus que la prochaine fois, il aurait un carton. Et comme Sassus, comme tous les autres défenseurs qui jouent là ce soir parisiens, les quatre, Sassus, Comboiré, Ricardo Colletter et le gardien Lama, sont sous le coup d'un carton jaune. Il vaut mieux ne pas en prendre un autre au cas où ils jouent une demi-finale de Coupe d'Europe comme Auxerre. Ricardo. À propos d'Auxerre, le représentant d'Auxerre lors des tirages au sort en Coupe d'Europe, Michel Bayard, il a téléphoné à Jean-Michel Moutier pour lui donner rendez-vous vendredi matin au bar de l'hôtel Intercontinental, comme quoi à Auxerre, on croit à la qualification du PSG. C'est en tout cas un geste sympa. Et Giroud, lui, est venu là et il dit que c'est pour superviser le PSG, mais il sait aussi que c'est peut-être pour superviser le Real Madrid. Giroud, lui, il a envoyé des envoyés spéciaux sur tous les terrains de l'UEFA hein, ce soir. Hein. À Dortmund et hier à Turin. Il aurait vu une rugueuse équipe de la Juventus. Mitchell avec Ramis. Sorti de Le Guen devant Prochinevski. Devant lui, Wea à droite tout là-bas. Il y avait Simba, il tente sa chance Le Guen. Et Bouillot se couche bien. Là aussi c'est une consigne d'Arthur Georges, c'est que quand Prosinecki a le ballon, il faut tout de suite jaillir sur lui. C'est ce qu'a fait Paul Le Guen et ce qui lui a permis de récupérer ce ballon. En jeu, oui. Oui, il est en jeu au départ. Ah voilà le maire de Paris entre le président de Canal et monsieur Tibéri. On dirait bien au maire de Paris. Noël Le Graët. Ouais. Et on devrait voir peut-être Fernand Sastre. Attends, on va regarder. Oh là oui, parce que là-bas, il est sorti devant Zamorano. Non, il n'est pas sorti de sa surface de réparation, dit le juge de touche à monsieur Poul. Donc il fait signe qu'il est sorti, mais pas le ballon. Voilà. Et il n'y a que ça qui compte. Cherchez, car dans les tribunes du parc, à côté de M. Mendoza, on pourrait bien retrouver M. Agnelli aussi. Puisqu'on parlait de la Juventus de Turin. Prochinevski, Aldo, Le Guen. Aldo, Sassus s'est engagé, il est servi. Et il va trouver Lassa devant lui. C'est un très bon match, Lassa, et qui est le seul gaucher de cette équipe. Alors on voit derrière Giroud, le voilà, M. Agnelli. Lassa, le seul gaucher avec quand même quelqu'un d'autre, le deuxième gardien, Jarro. Et l'entraîneur du Real, Benito Floro, réclame à corps et à cri des gauchers pour l'année prochaine. Et M. Poul, lui, vient de siffler la fin de cette première période, qui se termine sur ce score de 1-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Comme le disait Charles tout à l'heure, c'est la moitié du terrain qui est déjà faite et il reste 45 minutes pour boucler l'autre moitié. Et on va en profiter, Thierry. Oui, on va si
si Eric Bail parle à quelqu'un. Oui, au côté de David Ginola. David, vous avez fait la moitié du chemin. Comment analysez-vous cette première mi-temps? Ben, on a joué comme il fallait, on s'était dit de les prendre à la gorge, c'est ce qu'on a fait. Je crois qu'on a récompense de marquer un joli but, encore sur corner. Je crois que c'est notre force, il va falloir en user en deuxième mi-temps. On a joué comme il fallait, je crois que la deuxième mi-temps va être prépondérante pour nous. Il faut à tout plein deuxième but, donc qui sait ce qu'il nous reste à faire. Vous faites passer une mauvaise soirée à Nando, la solution passe obligatoirement par les airs pour le Paris Saint-Germain d'après vous? Ben, disons comme ce soir on a décidé d'aligner Georges et Amara dans l'axe, je crois que la solution est de sur les côtés, de passer par des centres, en sachant qu'il y a de la présence devant le but, donc pour nous ça va être impératif de passer sur les côtés. Merci Dave. Voilà, passer sur les côtés pour par exemple se qualifier. Cody Foot, on n'a pas parlé de Cody Foot, mais notre service est en place sur Cody Foot. Alors la question, on va se faire quelque chose de très très simple, juste pour voir si vous avez le moral autant que les 50 000 spectateurs du PAC. Est-ce qu'à votre avis, le PSG qui mène 1-0 et qui a été battu 3-1 va se qualifier ce soir? 36, 65, 7, 3, 2, 1. Vous prenez votre téléphone et vous allez voir, il y a un petit système, une petite voix sympa qui répond. Et... On rappelle la règle en Coupe d'Europe, Charles. Pour que le Paris Saint-Germain se qualifie, il faut gagner 2-0. Là, automatiquement, PSG qualifié. 3-1, ce sera une prolongation de 2 fois 15 minutes entre le PSG et Real. Et puis, au-delà de ça, il faudra 3 buts d'écart entre le Paris Saint-Germain et le Real pour que les Parisiens se qualifient. À propos de buts, on a vu celui de Georges Weah. C'est pas son premier en Coupe d'Europe. Hein. Non, il en a marqué d'autres. Et dès le premier tour, Jérôme et Marie, on va pouvoir regarder les images des buts de Georges Weah. Ça avait commencé dès le match aller contre Salonique. Un premier but de la tête sur corner, bien sûr. But inscrit dès la 13e minute. Et un deuxième à la 24e minute. Oh, c'est quasiment le même. 2-0. La carrière du PSG commençait bien. Match retour dans ce match qui, en fait, a été annulé. Dès le premier quart d'heure, Weah ouvre le score. Et puis, on le retrouve lors du match aller contre Naples. Et c'était toujours à San Paolo le doublé. Deux doublés à l'extérieur pour Georges Weah. Et celui, bien sûr, de ce soir qui permet au PSG d'espérer encore. Et pas mal non plus. Hein. Et dans le même temps, vous avez entendu Thierry vous dire que le match a été annulé. Ce qui donne l'occasion de vous donner une information, c'est que quand PSG a gagné à Salonique, menait 2-0 à Salonique et que le match a été arrêté à la mi-temps, eh bien la victoire a été officiellement enregistrée sur le score de 3-0, c'est-à-dire un match perdu par pénalité par Salonique. Alors ceux qui tiennent des archives, on sait que parmi les abonnés, il y en a beaucoup. C'est pas 2-0 à Salonique, c'est 3-0. Et ceux qui tiennent les archives, on va regarder les statistiques, ça prouve qu'ils avaient les chiffres. Les statistiques de cette première rencontre, on a Michel avec nous pour les détailler. Donc ça va être un petit peu gros des attaques, c'est un gros chiffre ça. C'est beaucoup, et 8 ça vient de la part de Ginola et les 4 viennent surtout de la part de Sassus et les 2 viennent de Le Guen et de Valdo au milieu. Madrid, on enchaîne, les attaques de Madrid un c'est, petit peu c'est moins. Beaucoup aussi 6 quand même, 6 à l'extérieur en Coupe d'Europe, 4 centrales venant de la part de Boutragueño parce que le PSG n'arrive pas à régler le cas de Boutragueño. Je crois qu'il faut l'annihiler complètement parce que c'est un support pour l'équipe de Madrid, et si vous enlevez leur support, et ben vous ne leur permettez pas d'attaquer correctement. Et deux, c'est ben Mitchell sur le côté. Dans ses tirs, 50% de tirs cadrés, ça c'est un très bon score. 16 attaques, 8 tirs, c'est très bon. Surtout contre une équipe comme le Real. Et 3 tirs pour les autres, c'est beaucoup aussi en Coupe d'Europe. Et 2 cadrés, généralement, ça se termine par un but. Maîtrise du ballon du côté de PSG, c'est logique, on joue à domicile. C'est logique, mais on aurait pu penser que le Real Madrid ait un fond de jeu plus intéressant que le Paris Saint-Germain. Mais 15 minutes du PSG, c'est surprenant et c'est intéressant aussi dans la mesure où il ne laisse pas le milieu de terrain s'exprimer. Le terrain du Real. Ceux qui ont fait des fautes, il n'y en a pas eu d'énormes. Le match est bon. Il y a 3-4 gestes, mais bon. Il n'y en a pas d'énormes pour un match de Coupe d'Europe. Non. Et du Real Madrid, on sait que ce n'est pas une équipe forcément très réputée pour son jeu libre. Alors, on a suivi un petit peu, on a pu comparer Le Guen. Le Guen, homme important, 29 ballons joués. 20 passes courtes, 5 passes longues, c'est que lui, contrairement à ce qui s'était passé lors du dernier match contre Lyon par exemple, joue beaucoup plus court que le PSG ne l'avait fait. Et quand il joue court, et ben il donne des ballons à Valdo qui les appelle presque tous, à Ginola qui est l'homme. Oui, si Arthur Georges a demandé de passer par les côtés pour centrer pour Simba et Weah, c'est forcé que Le Guen ne puisse pas jouer en profondeur, donc de jouer long. Et on voulait comparer son alter ego, si on ose dire, c'est-à-dire Hierro a touché moins de ballons. Et autrement, le style de jeu est un petit peu le même, quoi. À peu près le même. Je pense que Le Guen a quand même un fond technique plus intéressant que Hierro.
stade. Et dommage que Michel soit plus sélectionneur, parce que ça aurait voulu dire plein de choses pour Paul Le Guen. Vous savez que Eurosport a démarré, Eurosport où cet après-midi par exemple en direct vous auriez pu voir, si vous aviez eu Eurosport, l'équipe de France battre l'Égypte et gagner sa place en finale du championnat du monde. Finale du championnat du monde qui sera également en direct sur Eurosport samedi, commenté par Jean-Louis Legrand et Bruno Poulain, je pense. Eh bien sur Eurosport, on vous l'avait déjà expliqué l'autre fois, il y a une brigade des sports qui officie, brigade des sports composée de Yvan Rousset et de Philippe Guillard, les deux rugbyman. Eh bien, ils se sont occupés la semaine dernière du cas David Ginola. Regardez ce qu'ils en ont fait. Bah, dis donc, Raoul, t'es resté au bureau toute la nuit ou quoi? Je pense bien. Huit plombes a cuisiné un petit cave qui était complice dans la rue des Jonquilles. Qui ça? Thierry Roland. Le CAF prétendait être à Madrid aller voir un match de foot. À moi, Raoul! Madrid, la plaque tournante du mirage africain! Il a fini par balancer? Bah, quand t'es pas là pour le supplice de la tonkinoise, les confidences sont plutôt budgétisées. Je suis ravi que t'apprécies mes méthodes. D'autant plus ravi que le grand patron nous a refilé le coup des fautes albins, Buenos Aires. L'affaire Ginola? Exact. Pff, tu parles d'un cadeau? Bon, je vois que t'es au fond du fait tout, je vais te remonter le moral. Gilda, le dossier Ginola. Oh, dis donc, elle a des poumons dans les rhinocéros, cette nouvelle assistante sociale. Et ouais, elle a eu une bronchite à 8 ans et depuis elle a fabriqué des anticorps. Ah, je vois un problème médical. Bon, Raoul, retour aux sources. Ginola, David, une gueule de gigolo, la chaîne en or et le costume toujours aiguisé. Dans le milieu, on l'appelle Gino Gueule d'Ange. Son premier coup, il l'a fait il y a 6 ans. Le train couchette. Le viol du contrôleur. Mais non, le Paris Vintimille. Son deuxième coup, un chef-d'œuvre, 80 briques de fausse mornif, plus vrai que les vrais. Ce pognon, Gino Gueule d'Ange, il l'a fait passer moitié par Buenos Aires, moitié par Luxembourg, par la filière portugaise. Ce Gino-là dribble poulet aussi bien que Maradona les défenses allemandes. Et alors, on a une piste? Buenos Aires, Alberto. Alberto était argentin et garagiste, c'était aussi notre indic international. Mais avec tous les dossiers qu'il avait en poigne, l'argentin était souvent difficile à cuisiner. Bon, toi l'esprit de synthèse, tu vas m'attendre dehors. Salut Alberto. Hey, la maison Poulaga, une visite amicale? Amicale, avec toi Alberto, le mot est un peu faible. J'espère que tu vas excuser cette intrusion dans ta vie professionnelle, Alberto, mais tu vois, je suis un peu en carafe sur une petite affaire de routine et vois-tu, avec le métier que tu pratiques, je me disais que peut-être tu pouvais me dépanner, quoi. Qu'est-ce que c'est, cette petite affaire? Ginola. Ginola? Mais la seule chose que je sais sur votre petit Ginola, c'est qu'il est le commissionnaire d'une certaine Denise. Denise? Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette Denise? Elle fait des souplesses arrière dans un cabaret à Pigalle. Tu sais quelque chose de plus sur cette Denise? Moi, tout ce que je sais, c'est que mon client m'a cherché la voiture à 10h. Hein? Alors, c'est tout. Mon petit Raoul, t'as gagné un petit tour gratuit dans tous les cabarets à Pigalle. Et tu me ramènes tout ce qui s'appelle Denise et qui fait le grand écart en barésie. On se retrouve au bureau. C'est bon, chef, j'ai retrouvé votre Denise. Elle est première ballerine au Pouce au Crime, un cabaret de la rue Pigalle. Elle s'échauffe à 7h30, à 8h, elle fait rêver les Asiatiques. Bien menée, à 8h moins le quart, on la met au Newf. Peut-être, mais on la mettra nulle part. Parce que la brigade des mœurs m'a refilé la photo. Et si tu regardes de plus près, la Denise en question, aux heures de bureau, elle est rasée de près. Et on l'appelle Michel. Denise, Deniso, Michel Deniso. Ben, il y a qu'à le coffret aussi. Pauvre con, le terrain est miné. Ginola, il bute pour Deniso, et Deniso, c'est qui? L'ami du patron. Ben, il n'y a qu'à coffrer le patron. Raoul, si on coffre le patron, qu'est-ce que tu deviens? Ben, commissaire. Non, Raoul, on part en vacances. Me gusta el fútbol en casa.
billard avec Rousset à retrouver tous les lundis sur Eurosport dans Coca de Sport. Et ce lundi, Thierry Rey recevra Alain Gauthier. Il y a eu pas mal de matchs de Coupe d'Europe, bien entendu, tout au long de cette semaine. On va commencer par un résumé de tous les matchs de la Coupe d'Europe des clubs champions, cette fameuse Champions League avec son groupe A et Marseille, et son groupe B et le Milan AC. Résumé de toutes ces rencontres avec Philippe Brouet. La moitié de la route est faite. Les Glasgow Rangers, adversaires de Marseille le 7 avril prochain, accueillaient hier soir le FC Bruges. Et contre le cours du jeu, les Écossais vont ouvrir la marque ici par Ian Durrant. Réduit à 10 après l'exclusion de Mark Atley, les Rangers vont être rejoints. Égalisation à 1 partout par Stellens. Les Écossais devront compter sur une erreur du gardien belge pour s'imposer 2 buts à 1. Danny Verlinden n'est pas prêt d'oublier cette image. Toujours dans le groupe A et pour le plaisir en avalanche, voici les 6 buts de l'OM face au CSKA Moscou. Dans le groupe B, un petit but a suffi au bonheur du Milan AC. Une de Simone et Eragno. Contre le FC Porto, les Milanais ont hier soir remporté leur 8e victoire en 8 matchs. Ils ont déjà un pied en finale. Il leur faudra quand même se méfier des anges de Göteborg, face à qui les Hollandais du PSV Eindhoven n'ont pas pesé lourd. Michael Nilsson, premier but sur ce coup franc des 30 mètres. Et puis juste avant la mi-temps, Göteborg va se tranquilliser avec ce deuxième but. C'est Ekström qui trompe Van Breukelen. Göteborg encore pour le 3e but du match. Tête de Martinsson. Victoire des Suédois 3-0. Le 7 avril prochain, le match Göteborg-Milan AC vaudra sûrement le déplacement. Voilà, tout à l'heure à la fin de la rencontre, on verra les rencontres de Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe et de Coupe de l'Union Européenne. Et ce tir de Le Guen bien stoppé par Bouillot. Pour le moment, seuls les Espagnols du Real Madrid sont revenus sur la pelouse du Parc des Princes. Jérôme, est-ce qu'on a le temps de regarder un petit peu la loupe que pilotait ce soir Thierry Burgalière? En tout cas, voici Zamorano, alors qu'il n'y a pas de changement apparemment, hein, dans cette équipe du Real. Oui, Jérôme, allez, on y va pour un petit peu de loupe en attendant le PSG sur Simba. Paris Saint-Germain est revenu sur la pelouse du Parc avec là non plus, apparemment, pas de changement. Est-ce que tout le monde est là d'abord? 3, 6, 8, 9, non, il manque Wea, il manque Sassus. Ils arrivent et le président du Real Madrid, Monsieur Mendoza, figure légendaire du Real, au moment où Monsieur Poul... Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, mais regardez, quand on va avoir le plan de l'engagement, il y a quand même 5 Madrilènes qui sont alignés. Ça veut dire que le Real Madrid a envie de remettre les choses au point d'entrée dans cette deuxième mi-temps. Il y a un premier ballon qui arrive en touche et une remise en jeu effectuée par Sassus. Et la balle doit se dépêcher devant Zamorano. Alors que quelques fumigènes sont en train d'éclater derrière le but de Bouillot. Tête de Ramis. Ça fera un peu plus d'argent à l'UEFA. Voilà, il y aura une amende. Mendo qui manque complètement son dégagement. Alors on va savoir si le PSG va essayer, comme en début de première mi-temps, de remettre une folle pression sur la défense du Real. En tous les cas, le schéma maintenant vous le connaissez. Touche de Le Guen, longue comme un corner tendu, premier poteau.
Il a cherché Sassus. Dégagement de la défense du Real et reprise de Comboiré. Sassus encore battu par Hierro. Colter vers Simba. Les têtes de Rocha. Valdo. Valdo qui écarte bien. Un centre, tête de Simba. Ça passe au-dessus. C'est dommage qu'il ne la laisse pas passer pour Wea. Il est tout seul. Ouais, c'est à 2-1 dans l'axe. Le centre de Colter était magnifique. Et dans l'axe, ils étaient deux, mais il faut se parler. Voilà, donc Wea Simba, tandem qui effectivement aurait pu mieux s'entendre, avoir plus d'automatisme. S'ils jouaient plus souvent. Voilà, mais ils ont joué un quart d'heure ensemble cette saison seulement. Et d'ailleurs, Amara Simba n'a été titulaire d'entrée qu'une seule fois, c'était à Metz, et c'était aux côtés de François Calderaro. Et vous avez vu tout à l'heure, quand on a revu sauter Amara Simba, qu'il a le numéro 7. Et bien, Georges Weah, tout à l'heure, lui a proposé de prendre le numéro 9 avant le début du match. Et Amara Simba a dit non, t'es fou, garde le 9, c'est toi le meilleur, c'est toi le plus grand. Et Weah lui a dit oui, mais c'est toi le plus vieux. Parce qu'effectivement, Simba est plus âgé que Weah. Il avait fait le même coup à Calderaro, hein, contre Salonique lors du premier match de Coupe d'Europe. Le Gwen. Ouais. Ah oui, là, on a du mal à distinguer un peu ce qui se passe sur la pelouse. Mais il y a quand même une tentative de talonnade de Ginola contrée. Prochinievski. Boutragueño dans la nasse. Voilà, ça c'est bien ça. Parce que Ricardo est tout de suite monté sous Boutragueño et l'empêcher de faire un appui. Et Wea, le ballon, frappe de Wea dans les bras de Francisco Bouillot. Mais là, il y avait quand même beaucoup de soudaineté, beaucoup de puissance, beaucoup de violence dans cette frappe de Wea. C'est un bon Georges Wea qu'on va voir ce soir. Il avait été fabuleux à Naples et avait marqué 2 buts. Il est très bon encore aujourd'hui et n'a encore marqué qu'un but. Ah oui, mais c'est le seul buteur du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe au Parc des Princes. Ballon récupéré par Comboiré avec Valdo. Colletter. Ginola devant réclame le ballon. Il y a Valdo qui est là aussi. Ballo. Le Gwen. En retrait sur Ricardo. Ah, Ricardo qui manque sa relance directement sur Ramiz. Zamorano a le ballon. Contré par Le Gwen. Lassa. Retour encore de Le Gwen. Sassus. Guérin. Wea. Bien anticipé sur le tacle de Lassa et qui a trouvé Guérin. Simba qui passe entre Prochinievski et Lassa. Les retours de Hierro. Prochinievski. Boutragueño. C'est Colter qui a quitté son aile gauche pour venir empêcher Prochinievski de jouer. Comboiré sur Rocha. Lassa. Sur Comboiré, Le Gwen. Ah, si le Real rend les ballons aussi vite, il peut y avoir de bonnes surprises pour PSG un peu plus tard. Colter. Attention. Oh là oui. Attention, car Mitchell est là au pressing. Oui, la moitié, pas la moitié de la Coupe d'Europe encore, hein, Chénez. Il y a une demi-finale et il y a une finale après gagner. Ginola. Il se retourne. Oh, avec Bouillot, il faut toujours se méfier, mais là, prise de balle impeccable pour son mètre 79 et demi. Valdo. Colter en retrait. Comboiré. Alors que c'est Villarroya que vous avez aperçu en train de s'échauffer. Pour le Real Madrid, au moment où Le Gwen et Valdo amorcent une nouvelle attaque. Contré. Par Mendo. Et Mitchell. Voilà le duel, Mendo-Ginola. Ginola qui s'en est sorti, qui rentre dans la surface de réparation, qui accroche Tenendo, qui centre, qui frappe. Et arrêt de Bouillot. Ah, il en essaie des choses, Ginola. C'est peut-être pas toujours exactement le choix parfait, mais enfin, il y a tellement de créativité, tellement d'inspiration. Et regardez comme ça frappe, elle est vive là,
Et Bouillot était concentré à 101%. Sans ça, il pouvait être sûr. Là, ça. Ramis. Ah oui, Valdo, devant Prochniewski, comme le disait Michel tout à l'heure. Guérin. Valdo, mais l'intervention de M. Poul pour une faute sur Lassa. Qui, avec les Guardiola, Abelardo sur le Zaval, est devenu champion olympique à Barcelone. Alors que dans le match qui nous manque, Schulz vient de marquer, ce qui veut dire que Dortmund mène devant l'AS Roma 1-0. Là encore, on est tout près d'une prolongation. Mitchell. Prochniewski. Mitchell. Hierro. Hierro qui a éliminé Ricardo. Et retour de Polter pour protéger là-bas. Alors que Michel, qui a l'œil avisé, a remarqué immédiatement que le marquage de David Ginola vient d'être changé et que c'est Rocha, le défenseur brésilien, donc de meilleure qualité que Nando, sans doute, pense son entraîneur, qui a pris en charge Ginola. Ça suce. Qui a changé de côté immédiatement, d'ailleurs, Ginola. Et voilà, qui est là, poursuivi par Lassa et qui a évité Luis Enrique. Comboiré, Chandelle. Vers Simba, Georges Weah frappe, parade de Bouillot, deuxième frappe, ça passe à côté. Il avait le temps, Georges Weah, il avait le temps d'avancer, j'ai l'impression. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Ouais, surtout qu'il a les qualités, une fois qu'il a pris 50 cm d'avance, Weah, on le revoit plus. Il a pas voulu, il a voulu se débarrasser tout de suite de l'intervention de Ramis. Bon jeu de tête d'Amara Simba, qui a fait une bonne remise pour Georges Weah. Ouais, il peut encore faire au moins deux foulées. Et deux foulées, ça change tout pour le gardien de but. Tête de Zamorano. Ouais, il est passé à travers Comboiré, mais Colter a cherché. Voilà le duel hein, que vous a annoncé Michel tout là-bas. Devant Ginola, Yarocha. Alors que Mendo se tient dans la zone de Weah. Ballo. Weah. Weah qui est parti en dribble et qui est stoppé par Hierro. Récupération Valdo. Valdo en débordement. Le ballon sort. C'était bien fait ce qu'il a fait, mais il a poussé un peu trop de l'extérieur du pied gauche sur le ballon, Valdo. C'est bien, il y a de l'aspiration quand même. Et vous, est-ce que pensez-vous? Cody Foot, on ne fait pas plus longtemps parce que ça a tellement de succès que les lignes sont très très vite saturées. Alors on arrête tout de suite, réponse de Cody Foot, oui, vous y croyez à 78%. Et je peux vous dire que ce vote-là sur seulement 20-25 minutes, ça concerne plusieurs dizaines de milliers d'entre vous qui appellent à chaque fois. Et il reste 36 minutes pour que vous ayez raison et que pour que Ginola puisse trouver une nouvelle ouverture en cherchant la tête d'Amara Simba par exemple. Il avait bien sauté Amara, mais il lui a manqué le timing. Regardez bien, il va sauter avant, voilà. Et là, il n'a pas pu la remettre. Mais enfin, l'étau, on ne va pas dire se referme parce qu'on n'en est pas encore là, mais l'étau se resserre doucement, doucement sur Bouillot. Tête de Hierro, Le Guen, Utragueño, Prochniewski, Mitchell. Est pris par Colter et qui reste au sol, Mitchell. Voilà, Monsieur Poul l'a vu. Et il va aller prendre des nouvelles de José Miguel González Martín del Campo, surnommé Mitchell. Qui a joué plus de 300 matchs en première division du championnat d'Espagne, qui avait débuté à 19 ans à la faveur d'une grève des footballeurs pro espagnols. Et puis ensuite, son deuxième match, il l'a rejoué 3 ans après. Il n'était peut-être pas tout à fait prêt quand même, mais depuis, il a bien progressé. Il fait partie de la Quinta del Boutré, c'est-à-dire les amis de Butragueño, qui ont fait le prestige du récent Real Madrid, avec notamment Sanchez, Martin Vázquez et un dénommé Mikel Parteza, qui joue aujourd'hui à Saragosse.
et Bouillot. Non, il n'y a pas main, monsieur l'arbitre. C'est Nando qui a demandé à l'arbitre la main. Nando est repassé au centre. Hein. Il est repassé à l'aile droite. Ça n'a pas duré longtemps. Ah, la preuve, il n'y avait pas main. Mais enfin, il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, cet arbitre, depuis le début. Qui tient un supermarché de meubles à une centaine de kilomètres de Budapest. À Eger, exactement. Rochinevski contré par Vallo. Ah, puis Real au Parc des Princes, arbitre hongrois, ça peut rappeler des mauvais souvenirs aussi aux dirigeants du Real. En 1981, c'était la dernière fois qu'ils sont venus à Paris, finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, et défaite 1-0 contre Liverpool. Et l'arbitre ce soir-là était également hongrois, c'était Monsieur Palotai. Et Simba n'aura pas ce ballon dégagé par Lassa. Guérin. Ouéa. Oh, Ouéa, Palotai. C'était pour Guérin, contre-favorable. Et sortie de but. Ça prouve qu'il est sur les ballons, Georges Ouéa. Ça prouve qu'il a envie de faire un bon match. Il va y avoir un changement, hein, Charles. Villarroel n'a plus de pantalon de son vêtement. J'ai juste le temps, peut-être, puisqu'on a Georges Ouéa. Georges Ouéa revenant de Valenciennes l'autre jour. Les joueurs avaient eu une petite collation avant de repartir du stade Ningesser. Et donc, ils ont habituellement des plateaux repas dans les bus. Les plateaux repas n'avaient pas été utilisés par les joueurs de PSG. Et bien lui, Georges Ouéa, a ramassé tous les plateaux repas du PSG, est descendu dans le RER à Saint-Germain-en-Laye et est allé les distribuer à tous les sans-abri qui dorment dans le métro. Ça, c'est aussi Georges Ouéa. Chapeau. Luis Enrique, contre-favorable sur le tacle de Comboiré. Ah, il a voulu servir Boutragueño. Intervention Ricardo. Il faut la dégager parce qu'elle va devenir brûlante, cette balle, qui était facile. Avec Sassus maintenant, qui dégage effectivement Guérin. Le Guen, Valdo. Allez Georges. Trop tard. Rossinevski est venu barrer le passage à Candido Filio Valdo. Le Guen. Ricardo. Simba. Pris par Nendo et avec un coup de sifflet de Monsieur Poul et un parc qui gronde. Et il n'y a pas encore eu un coup franc tirable, je dirais. Ouais, bien placé. Même celui-là est trop loin. Attentif Bouillot qui a quand même mis en place un mur de 4 joueurs. Il n'y a plus que 3, il n'y a plus que 2. Ouais. Voilà. La maison se désagrège. Le Guen. Ah, avec Zamorano qui était replié. Ballo. Ballo avec une obstruction de Luis Enrique. Monsieur Poul l'est joué. Valdo se bat. Avec également Ricardo. Et c'est Hierro qui sort avec le ballon. Attention. Prochinevski. Ramis. Ricardo n'est pas là pour tenir la maison. Zamorano, Hierro, Mitchell, il n'est pas signalé hors jeu, Mitchell, il est dans la surface de réparation, Mitchell qui frappe pied gauche, il est contré, Simba, et un dégagement manqué, qui revient vers Boutragueño, Prochinevski, Hierro toujours, frappe de Hierro, une parade de Lama, ce sera quand même un corner. Et vous voyez que le replacement défensif, combien c'est important aussi. Ricardo n'était pas là et il y a eu le feu pendant 25 secondes au moins. Et heureusement que Lama a bien anticipé sur sa gauche, sur cette frappe de Hierro. Et PSG qui n'a qu'un seul but d'avance et à qui il en manque encore un pour espérer la qualification. À une demi-heure de la fin, Boutragueño servi par Mitchell. Centre de Mitchell. Sortie de Comboiré, Prochinevski. Ça passe juste à droite de la main. Et tout ça encore après un corner admirablement frappé par les Espagnols qui ont beaucoup de combinaisons sur les corners. Il y a intérêt à les garder loin du but parisien, les Madrilènes. Rocha avec Mitchell. Hierro. Prochinevski, intervention Valdo. Guérin, mais à nouveau Prochinevski avec Zamorano.
Zamorano qui a passé comme Boiré, retour de sa suce et faute du défenseur parisien. Tu vas prendre un carton. Oh oui, eh oui. En tout cas, il est appelé par Monsieur Poul. La main n'est pas encore à la poche. Et s'il a le carton, c'est qu'il paiera sa faute de tout à l'heure en première mi-temps. Voilà, quand Monsieur Poul lui avait fait signe que dans le jeu, il avait fait une faute qui était tout proche de mériter un carton. Là, c'est vrai que c'est pas une agression folle, mais c'est une faute très très nette, un acte d'anti-jeu indiscutable, alors que Zamorano file pour une attaque, pas au but encore, mais pour une attaque très nette. Donc carton, logique, et Sassus ne jouera pas la demi-finale au cas où le PSG la joue. Eh oui, au cas où Rochilievski ne jouera pas le match aller. Absolument. Mitchell. Mitchell encore. Pied gauche de Mitchell. Oh, il avait vu la main légèrement avancée. Légèrement avancé. Tiens, ça me fait penser que dans les notes qu'a prises Joël Batz, qui est allé voir le Real de Madrid, je ne sais pas, 5-6 fois, eh bien, il disait que Bouillot était de temps en temps légèrement avancé. Valdo. Ouais, bien joué. Transversal, magnifique vers Wea. Ah, Wea pris. Colletter. Oh, elle est belle. Celle-là, elle est belle pour Le Guen. Il y a du monde au milieu. Il y a du monde au milieu. Ah, dommage. Il y avait trois joueurs parisiens contre deux joueurs de Madrid au milieu. Et c'est vrai que Paul Le Guen était obligé de tenter une feinte d'abord. Il a tenté le passement de jambe. Et la balle file un peu trop vite. C'est Boutragueño, logiquement, qui devrait sortir pour que l'on voit l'entrée de Villarroya. Nous dit Eric Bail. Francisco Villarroya avec son numéro 12. International à 11 reprises. Mais qui a pour le moment remis son survêtement. Oh, Ricardo, qui est venu faire une grosse, grosse faute. C'est pas Zamorano, car il est encore debout. Ça pourrait être qui, Mitchell? C'est Mitchell, je crois. Ouais, Mitchell. Hein. Non, Mitchell, il est debout. Luis Enrique est là, lui aussi. Hierro, peut-être. On ne voit plus Hierro sur le terrain. C'est Hierro qui est allongé. En tout cas, il y a de quoi rester allongé après ce choc avec Ricardo. C'est Hierro en tout cas. Voilà, vous avez compris. Bon. On peut même dire que Ricardo s'en sort bien avec seulement un coup franc. Et là du coup ça va peut-être changer les batteries de Benito Floro, l'entraîneur du Real. Mais apparemment Hierro reprend ses esprits. Benito Floro qui est venu là avec tout son staff, il est venu avec son adjoint, avec son préparateur physique et avec son psychologue qu'il estime indispensable dans une équipe. Voilà le changement annoncé par Eric, la sortie d'Emilio Butragueño, le capitaine du Real en l'absence de Sanchez. Et du coup, bah oui, c'est quelqu'un de la Quinta del Butre qui va prendre le brassard, c'est Mitchell. Chaque fois qu'il vient au parc, Butragueño il sort. Il doit pas être très content. Donc il avait fait une très bonne première mi-temps, perdant très très peu de ballons. Il marque en ce moment Butragueño, il a marqué lors de la dernière journée du championnat d'Espagne contre Logroñés. Et puis il a marqué contre le Paris Saint-Germain, bien sûr. Allez, attention au coup franc. De Rochilievski. Oula, t'as encore tenté le diable. Oh, et on a vu Lama et Prozinecki qui se sont fait un signe tous les deux parce que Bernard Lama avait anticipé encore un petit peu sur ce coup franc, avait laissé un espace libre et le Croate qui avait été sacré meilleur joueur du championnat du monde junior il y a 5 ans maintenant vient frapper directement. Encore 25 minutes à jouer dans le temps réglementaire et le Paris Saint-Germain mène 1-0 seulement, mais Valdo a trouvé peut-être l'ouverture avec Sassus. Laisse-la, il y a corner. Ouais, il y a corner. Il l'a vu, le juge de tout. C'est bien fait. Alors, l'entraîneur madrilène a changé ses batteries. Il a mis Villarroya au milieu de terrain. Il a fait passer Mitchell devant pour renforcer justement ce milieu de terrain qui prenait un peu l'eau physiquement. Et Mitchell se retrouve un peu en pointe avec Zamorano.
Et le parc reprend feu sur un corner en faveur du PSG. Et regardez l'arbitre, il va aller intervenir auprès de Georges Weah et de ses défenseurs pour leur demander, son défenseur, son garde du corps, Rocha, d'être plus calme. Tiré par Valdo, tête de Weah. Non. Et faute sur Mitchell, dit Monsieur Poule, faute de David Ginola. C'est là qu'était l'occasion de but, sur cette tête de Weah et de Camboire. Ensuite, de toute façon, c'est un ballon perdu. Regardez, ils ont tous les deux là. Antoine qui a tellement envie de s'imposer quand il est titulaire et qui regrette qu'Arthur Georges fasse pas un peu plus tourner son effectif. Là-bas. Et c'est Léa qui est venu prendre ce ballon de la tête. Oui, on va. Si l'arbitre va siffler coup franc, parce que s'il veut rendre la balle aux Parisiens, c'est la seule solution. Faute sur Georges Weah. Touche. Ah, ça, c'est curieux. Il a arbitré dans l'esprit parce qu'il y avait une petite faute, mais en tous les cas, pas à la lettre. Hein. Villarroya contré par Sassus. Remise en jeu favorable au Real. Le voilà, Villarroya. Ça vers Villarroya. Ballo. Le Gouen. Intervention Mitchell. Qui lance Zamorano devant Ricardo. Hierro. Bien écarté ça vers Lassa. Villarroya qui a évité. Oh, qui a évité. Qui est trop bien tombé aussi. Oui. Et Monsieur Poul ne se laisse pas prendre. Alors qu'il y a faute. Oui. Voilà. Alors que de toute façon, là, il y avait faute. Ah oui, il y avait faute. Et Sassus a quand même déjà un carton. Sassus et Villarroya qui est venu retacler Sassus. La mise en jeu guerre avec Le Gouen. Valdo. Oh là. Avec un Zamorano qui a été servi par Luis Enrique. Zamorano qui file vers le but de là-bas. Il est contré une première fois par Camboire. Il est dans la surface de réparation. Que dit Monsieur Poule ? Six mètres. Merci Monsieur Poule. Il y avait un contre à 3 contre 1 au départ de la part des Madrilènes. Ensuite, il y avait cette action de Zamorano qui mettait en difficulté Camboire. Il n'a pas pénalty. Et Villarroya qui avait récupéré ce ballon dans les pieds de Guérin, mais avec une faute sur Vincent Guérin, vu par Monsieur Poul. Madrid a changé complètement son jeu. Madrid presse Paris. Et ils vont avoir des problèmes pour s'en sortir. Et on a du mal à trouver David Ginola devant ou de trouver des gens sur les côtés pour justement faire ces centres précieux. Ou arriver des coups de pied arrêtés sur les côtés. Carton jaune pour Villarroya pour cette faute sur Guérin. C'est son premier en Coupe d'Europe cette saison. Ricardo. Le PSG va sans doute jouer plus long maintenant devant le pressing de Madrid. Hierro. Voltaire. Weah. Ginola. Ginola devant Nendo. Ginola qui centre. Et intervention Bouillot. Michel, c'est pas tentant à un quart d'heure, à 20 minutes de la fin, alors qu'on a un but de retard pour la qualification, d'oublier tous les principes tactiques et puis de jouer qu'avec ses tripes. Bon, à 20 minutes de la fin, il n'y a plus de problème tactique maintenant. Je crois que soit ils vont essayer de trouver Valdo au milieu de terrain, soit ils vont commencer à balancer parce que ils vont être poussés par le public. Et au milieu de terrain, maintenant à l'entrée de Villarroya, fait la supériorité numérique des joueurs de Real. Et je pense qu'ils vont comprendre que leur seul salut viendra des longues balles, comme on dit. Comme a fait l'Ajax le dernier quart d'heure contre l'AJ Auxerre. 20 minutes, il reste. Et Guérin a le ballon, il est contré. Valdo. Ramis pris par Weah. Weah pour Simba. Et dégagement de la défense du Real. Villarroya. Et intervention de Monsieur Poul. Favorable à Villarroya.
Et Sassus va être encore pas averti car M. Poul ne va pas sortir le carton, mais. C'est parce qu'il saigne. Il saigne du nez, effectivement. Daniel Bravo a enlevé son survêtement côté parisien. Mitchell en déviation pour Villarroya. Ah ouais, c'est le côté où Sassus n'est pas là. Le Wen. Retour de Wea. Wea directement sur Hierro. Krochinevski, Hierro. Zamorano. Hierro. Mitchell et retour de Wea. Wea qui va pouvoir amorcer le contre parisien. Sassus a repris sa place sur le terrain. Valo. Écarte vers Colter, il a du champ Colter. Si on trouve Wea à l'arrivée, ça va être fabuleux. Ginola, il n'est pas signalé hors jeu. Sortie de Bouillon, centre de Ginola. C'est l'arbitre coup franc. Ah oui, coup franc, puisque c'est Rocha qui a rendu ce ballon. Et il donne corner dans l'esprit. Et il va donner corner, monsieur Poul. Dans l'esprit, c'est pas mal. C'est vrai. C'est mieux que rien. Regardez Ginola, il essaie de contourner. Il attend le pénalty, David. Il était bloqué par Bouillot, il attendait que Bouillot vienne pour essayer d'avoir un pénalty, mais Bouillot était très intelligent sur cette phase de jeu. Et tout était parti de Wea à l'intérieur des 6 mètres de PSG. Bravo est prêt à rentrer, mais il attendra ce corner que va tirer Valdo. Avec un ballon que récupère Camboire, mis en retrait pour Guérin. Ah, Guérin qui manque complètement son centre. Ah, c'est des occasions importantes, il ne faut pas louper ça. Et Daniel Bravo va rentrer à la place d'Amara Simba. Ah, je ne suis pas sûr que le parc va faire une ovation à Daniel sur cette affaire, mais Amara qui a tellement peu de matchs dans les jambes. Et puis il va en profiter, Arthur Georges, pour demander à Georges Wea de rester vraiment en pointe et de ne pas revenir faire le travail défensif qu'il vient de faire. Pour le Paris Saint-Germain, entraîneur numéro 12 de Daniel Bravo. Il remplace Amara Simba. Voilà, le changement annoncé est effectué. Et Bravo qui vient se mettre devant Lassa pour suivre le dégagement de Bouillot. Ah, maintenant car le chronomètre est important, 17 minutes, de la fin de la rencontre. Et l'intervention de Sassus devant Mitchell. Mitchell qui reste au sol. Monsieur Poul laisse jouer. Bravo Sassus. Bravo encore. Lassa. Intervention Le Guen. Hierro. Krochinevski. Contré par Guérin. Ramis. Villarroya. Mitchell. Mitchell qui lance Zamorano. Il est sorti là-bas. Et il va récupérer ce ballon avec la complicité de Le Guen, de Ricardo. Oui, mais c'était de manière involontaire assez nette. Mais en tout cas, les Madrilènes sont en train de beaucoup mieux construire, de beaucoup mieux poser leur jeu. Il va falloir attendre des coups du sort ou un exploit individuel. Bien arrêté. Vous pouvez toujours sur le Minitel 3615 code CPLUS poser des questions, donner une note au match pour gagner un voyage au domaine de Nianing au Sénégal, voyage offert par Eldorado. Valdo. Et Arthur Georges va faire rentrer Bruno Germain. Centre de Valdo, Ramis a dévié, tête et but. Oh, de Bravo, non. Le ballon n'a pas franchi la ligne. Et c'est un contre terrible. Que va emmener Zamorano avec Krochinevski de l'autre côté. Un superbe intervention de Ricardo. Oh, il la fallait celle-là. Oh, bravo, il pouvait se réconcilier. Tout le public en 2 secondes. Il met la tête sous la barre et la balle qui rentre pas. Barre de Ricardo en première période. Barre de Bravo en deuxième période. Ginola. Tête de Nendo. Krochinevski. Intervention Guérin. Guérin toujours, Ginola, Le Guen, il a levé la tête, il a vu Kouéa était à son poste, intervention Hierro et faute de Le Guen.
Elle y est, le Real qui enchaîne immédiatement et qui va perdre le ballon. Avec bravo Wea. Bravo servi par Wea. Valdo. Centre de Valdo. Dégagement de Nendo sur Colletter. Le Gwen. Ah, il faut se battre sur tous les ballons maintenant. Bravo. Qui commet une faute. Il y a des joueurs fatigués. Hein. Colletter est fatigué. Guérin est fatigué. Et on revoit ce centre de Valdo. Cette balle mal dégagée. Daniel Bravo qui va surgir. Il prend le meilleur sous le Bouillot archi battu. Et la balle sous la barre. Qui sort. Et c'est Sassus qui va laisser sa place à Bruno Gervin. Il remplace Jean-Luc Sassus. Bruno Gervin a entré une seule fois en cours de match cette saison, c'était contre Lille et c'était lors de la dernière très nette victoire du PSG au Parc, un 3-0. Il avait alors remplacé Valdo. Cette fois c'est Sassus dont il prend la place. Comboiré. Le dernier quart d'heure est entamé. Il faut que Georges Wea aille devant. Il faut qu'il aille devant Georges. Rochilievski, Lassa. Lassa toujours avec une série de contre-favorables. Lassa toujours, Mitchell. Villarroya. Guérin. Ah, dans les pieds de Mitchell. Et bon. Bien le long de la ligne. Germain pour Wea. Mais Wea est bien seul dans la tenaille. Il a trouvé quand même Ginola. Et Colter qui vient de très loin, de trop loin pour inquiéter Rocha. Surtout que Colter ne tombe pas dans le piège tendu là par Rocha. Ouais, il est fatigué Colter, on l'a vu sur cette action, on le voit sur son manque de lucidité après cet incident. Il a fait beaucoup d'appels, il a demandé souvent le ballon. Vous voyez, il aurait mieux fait de repartir tranquillement, reprendre sa place. On peut encore avoir besoin de lui pour armer un centre de la gauche. Bouillot a dégagé. Comboiré. Ginola. À notre monde. Et Nendo, là, en dernier défenseur, a dégagé en touche. Ouais, c'est pour les fusées, hein, sans doute. Hein. Ouais. Alors le délégué, c'est le président de la Fédération maltaise de football, c'est Monsieur Mifsud. Et oui, bien sûr, il s'agit des fusées, des fumigènes lancées sur la pelouse du parc. Alors il y aura un monde, ça c'est sûr, Michel l'a dit tout à l'heure. Il ne faudrait pas qu'il y ait suspension. Alors, le délégué, en plus ce délégué-là, il n'est pas commode. Non. Et alors, pas commode du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de nos micros, pas une de nos caméras qui n'a pas bougé depuis qu'il est arrivé à Paris. Comboiré. Tête de Hierro. Comboiré encore. Une nouvelle fois sur Hierro qui peut lancer Mitchell. Intervention Colter. Wea. Germain qui a essayé de prendre le dessus. Lassa. Prochinievski. Comboiré a glissé. Villarroya pour Prochinievski. Signalé hors jeu. Signalé hors jeu. Oui, signalé hors jeu. Car. Vous vous dépêchez, Thierry. Ouais. Oui. Car il était peut-être pas. 10 minutes. 10 minutes encore. Le Gwen. Ricardo. Cherche la tête de Bravo. Trouver celle de Ramis. Valdo. Wea. En retrait, c'est bien joué. Travail. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo, c'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Et alors, pas n'importe quel deuxième but.
Quel but fabuleux avec deux remises des Parisiens, une frappe de David Ginola. Regardez, jouez à Ginola, mais il va quand même falloir aller reprendre sa place les Parisiens parce que les Madrilènes sont prêts à engager. Regardez Bernard là-bas, il appelle tout son monde. Revenez, revenez, revenez. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il faut tenir. Maintenant, il faut que le chronomètre, il passe vite. Regardez, action de Valdo. Remise de Georges Weah qui va chercher Daniel Bravo. Bon timing de Bravo en retrait. Et la demi-volée de Ginola. Extraordinaire deuxième but. Enfin, on en a vu des beaux buts encore en trois jours là. Et marqué par les équipes françaises. Il y a quel régal. Quel régal. Maintenant, on va regarder le chrono, mais en souhaitant maintenant qu'il aille vite alors qu'on souhaitait qu'il aille doucement. Et c'est Alfonso qui va rentrer côté Real Madrid, un attaquant, lui aussi champion olympique, qui va remplacer un autre champion olympique, c'est Luis Enrique. Le chrono, Charles, 36 minutes 37 secondes en seconde période. Il reste 8 bonnes minutes. 8 minutes à tenir et Prochniewski qui envoie vers Hierro, tête de Comboiré. Guérin. David. Et Bravo qui doit laisser filer en touche. Remise en jeu de Lassa. Nando. Et le Real aussi va jouer long, haut et fort. Nando qui cherche Alfonso qui a trouvé Ricardo. Reprise de Michel manquée. Et le ballon va sortir. Et Michel a voulu lober la main qui s'est avancée sur le coup de tête de Ricardo. Et Michel avait bien joué malheureusement en fin de match. La précision n'est pas de rigueur. Mais c'est vrai aussi qu'on a vu, c'est peut-être la première fois de la saison, une mésentente entre Ricardo et Lama, ce qui prouve que l'excitation sur le terrain, quand on est à 6 minutes ou 7 minutes d'une qualification pour une demi-finale de Coupe d'Europe, doit être quelque chose de surnaturel. Et certainement Bernard Lama a crié, mais avec le public qu'il y a ici au Parc des Princes aujourd'hui, il a pas dû l'entendre. C'est de la folie dans le Parc des Princes, Ginola. Pas perdre les ballons les gars, voilà. Bien récupéré par Guérin, Ginola qui lance Weah. Bouillon est sorti, il est le premier sur le ballon. Et long dégagement en drop de Bouillon pour chercher Zamorano. Valdo. Valdo, tête de Lassa. Prochniewski. Impeccable contrôle, superbe relance vers Hierro qui lui envoie Villarroya. Poursuivi par Comboiré. Attention au deuxième poteau. Villarroya, il était passé. Oh là 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 là. Elle est sortie. A signalé le juge de touche. Oui, vaut mieux. Ouh. Signalé le juge de touche. On va voir. Elle est pas sortie. Ouais. Allez. Là-bas. Directement sur Ramis. Ne pas trop reculer. Prochniewski, vers Michel. Car l'arbitre peut à tout moment arrêter la rencontre. Le Gouet. Règlement UEFA, aucune fusée, s'il vous plaît, sur la pelouse. Merci. Et dans la tribune d'honneur, on tremble et on tremblera jusqu'au bout, puisqu'il reste un tout petit peu plus de 5 minutes, 6 exactement. Et qu'il y a un coup franc très dangereux en faveur du Real Madrid. Seul Villarroya et Lassa ne sont pas dans la surface de réparation de là-bas. Et un but élimine Paris. C'est Michel qui tire. Dégagement Guérin. Valdo maintenant le ballon. Valdo toujours. Valdo encore qui va aller provoquer. Trop tôt la passe, trop tôt. Et qui a voulu servir Daniel Bravo. Trop tôt la passe, ils étaient à 3 contre 2. Il fallait attendre encore 10 mètres. Et sans doute donner à droite sur Guérin, mais... Ouais, gauche sur Bravo, ça dépendait du défenseur. Valdo a eu beaucoup d'influence dans cette rencontre. Dans les 5 dernières minutes, on ne peut pas lui demander toute la lucidité nécessaire non plus. Et il va continuer à se battre, regardez-les, c'est lui qui est en premier écran défensif. Ramis. Intervention de Monsieur Poulpe, coup franc pour le Real. Et le danger va revenir devant Bernard Lama. Prochniewski avec Rocha. Centre de Rocha, sorti. Nando. Tête de Ricardo. Ramis. Directement sur Guérin. Valdo. Il va la garder la balle. Face à Prochniewski.
Ronaldo toujours. Bien joué. Ah ouais, en retrait sur Le Guen. Bravo. Wea. Oh Wea, oui. Dégagement de Villarroya. Ricardo. Germain. Ginola. La touche sera pour le Real. Chrono, 4 minutes encore. 4 minutes à tenir. Remise en jeu jouée par Lassa. Ramis. Lassa. Michel. Avec un retour de Valdo. Valdo Hierro dans ses Prochinievski qui en profite. Prochinievski en position de tir. Et la main qui se touche. Il a fait un superbe exploit, Prochinievski, quand il a fait le râteau devant Ricardo. Regardez bien. Ah, superbe. Ah oui. Et après, il pousse un peu loin sa balle, là. Voilà, il est obligé de mettre un pointu. Ça ressemblait un petit peu à l'action d'Abedi Pelé hier, qui avait enflammé le stade Vélodrome. Intervention de Monsieur Poul, et c'est Guérin qui est sanctionné, alors que le ballon était très loin. Ça sont des bêtises, des bêtises, des bêtises. Qui peuvent coûter très cher. Entre les dents, le coup d'eau. Mais attention, la qualification n'est pas là. L'équipe de PSG est encore naïve, encore friable. Michel qui a joué rapidement vers Zamorano. Sur deuxième poteau. Ça va revenir. Ramis Villarroya. C'était pas Villarroya, c'était Alfonso qui avait la balle de but sur sa tête. Et Bernard Lama est venu le gêner sans pouvoir intervenir. Mais heureusement que Lama est venu. Mais derrière le marquage, il est pourri. Et Bernard Lama en se détendant. Bon, c'est pas parfait comme intervention, mais ça a au moins le mérite de gêner. Mais ça prouve que PSG n'est plus lucide tout à fait suffisamment. Dans 2 minutes 30, le temps réglementaire est fini. Là, ça, mais intervention encore un coup franc. Allez, on se replace tous là. Mendo va le jouer avec Lassa. Villarroya. Bon, bon retour de Ginola, bravo. Germain, c'est bien joué. Et sur George, terrain. Devant Georges, voilà. Wea, oh, avec gauche. Ginola qui est là. Fix. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Fin de frappe, frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filho Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui met 3-0. Oh là là, et ça part dans l'équipe du Real. Vous regardez la joie du PSG. 3-0, ça, cette fois, ça s'enclasse en demi-finale. À la suite d'un contre admirablement mené, avec des ballons donnés exactement au bon moment. Juste au moment où Michel disait, il faut fixer, il a fixé, et il faut donner, il a donné. Et ensuite, quand on donne un ballon à un joueur d'une aussi grande qualité que Valdo, regardez Ginola, il s'enfonce bien, il fixe. Là, il donne à Valdo. Regardez bien ce qu'a fait Valdo, là, parce qu'il choisit les chemins, il fait fin de frappe. Voilà, Rocha, regardez. Ça, c'est interdit dans les écoles de football de se retourner. Il a très, très bien joué, Valdo. Et attention, un but du Real et on est en prolongation. Absolument, il reste une minute. Hors-jeu. Et ils sont pris nombreux au piège du hors-jeu, dont Hierro. Ce qui va permettre à Lama de gagner quelques secondes et de repousser le ballon très loin. Qui aurait dit il y a un an et demi que le PSG mènerait un jour 3-0 devant le Real Madrid en Coupe d'Europe? Qui aurait dit que l'Ajax se serait fait éliminer par Auxerre? Qui a dit que Marseille ne peut pas aller en finale de la Coupe d'Europe? Je crois que le football français est de très 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 bonne valeur. Mais simplement, il faut que les joueurs le savent. Les autres, ils ont, vous savez ce qu'ils ont de plus que nous les autres? Ils ont qu'un palmarès. Mais un passé, on dit souvent. Un passé, parce que le football français existe depuis 76, depuis la fabuleuse époque de Saint-Etienne. Et depuis ce moment-là, combien il y a eu d'équipes qui sont allées en demi-finale? Combien il y en a qui ont été en finale? Alors je crois que le football français n'a pas à rougir, il est bon. Et c'est très important. Allez, Alain Roche, il est venu tout près du terrain. Car il pourra peut-être regoûter à la Coupe d'Europe cette année. À condition de ne pas encaisser de but maintenant. Le temps réglementaire est dépassé. Le PSG mène 3-0. Le PSG n'a encore pas encaissé un seul but à domicile cette saison en Coupe d'Europe. On va leur porter la poisse, Thierry. Prochinievski. La ramasse, attention à la ramasse. Hierro. Avec une reprise de Nendo, de Michel maintenant. Un ballon pour Hierro encore.
sur lequel se précipite Ginola. Bien joué. Eh ouais, il va trouver la touche, c'est bien. On peut avoir des demi-finales France-Italie. Hein. Ah ouais, on peut avoir. Venez. C'est terminé. Non, pas encore. Pas encore. Et Monsieur Poul va se fâcher contre le banc du Paris Saint-Germain. Voilà. Ah, il va demander tout simplement. Que les photographes sortent. Ah, il doit les comprendre, les photographes français. C'est historique quand même les résultats en ce moment. Et Michel nous disait que le football français est bon. S'il y a des gens qui le savent, sont bien les abonnés de Canal parce qu'ils ont la chance de voir le championnat de France toutes les semaines ou tous les 15 jours. Et depuis 2 ans, on a eu quoi? On a eu 2 mauvais matchs à peu près. On a eu beaucoup de bons matchs et au moins 4 ou 5 très bons matchs. Ça prouve que ce championnat de France va bien, effectivement. Et au niveau international, bon, bah, l'équipe de France a fait des choses fabuleuses. Elle en fera des fabuleuses parce qu'ils vont se qualifier facilement pour la Coupe du Monde. Et 3 équipes, pratiquement 2 en demi-finale et 1 en finale, c'est exceptionnel. Et on attend le coup de sifflet final de Monsieur Poul. Mais c'est Valdo qui a le ballon. Et on a le temps, voilà, c'est des secondes tout ça. Avec Guérin. On ne perd pas. Le Gouen. C'est mal joué ça. Colter. C'est mieux joué. Guérin. Bravo et devant, il est servi. Bravo, retrait pour Valdo. Et le parc qui criolait. Et Valdo qui est passé avec Bravo. Bravo toujours. Qui écarte sur David Ginola. Ginola face à Villarroya. Passement de jambes. C'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner. On en est à plus de 47 minutes, monsieur Tibéri. 2 minutes au-delà du temps réglementaire. Ça fait rien, ça vaut ça. Pour notre plaisir, ça vaut ça. Même 3-4 minutes s'il veut. Germain avec Wea. Et on se replace, allez. Allez, on revient, on râle pas. Et oui, Ginola et Wea qui posaient au juge de touche. Il faut revenir se replacer. Et Bouillot qui a tout mis dans son dégagement, tête de Germain. Comme Boiré. Pousse en touche. Pour une fois, on lui en voudra pas. Non. Est-ce qu'il siffle? Non, il siffle pas. Ah non, il réclame le ballon parce que les spectateurs, bien entendu, l'ont gardé. Mais ça, Monsieur Poul, il restera intraitable, il le prouve, il montre. Oui, mais je vois pas pourquoi il y a eu 3 minutes d'arrêt de jeu quand même, il n'y a rien eu en deuxième mi-temps. Oh, des petites bricoles, allez. Là, ça, la remise en jeu avec Alfonso. Oui, mais des petites bricoles. Eh oui, Michel, celle-là, elle est importante, car c'est un coup franc pour le Real. Je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un pénalty contre nous, quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une tête et un but. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là voilà la bricole qui fait mal. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Et là mal a compris, il faut tout de suite se reconcentrer. À la 48e minute. Regardez, c'est un ballon très haut, Camboire qui va sauter, mais le bleu a sauté plus vite, et Zamorano qui est là, plein centre pour du bout du pied, nous offrir une demi-heure de spectacle supplémentaire entre les jambes de Bernard Lama. Malheureusement, Charles. Oui, mais enfin, heureusement que PSG a marqué les 3 buts avant, ne boudons pas notre plaisir. On va repartir pour une demi-heure supplémentaire, allez. Et les photographes sont repartis de tout le monde, pour Parisien aussi. Eh oui, 49 minutes maintenant. Et Monsieur Poul. Où est-ce qu'il y a 4 minutes d'arrêt de jeu quand même? Où est-ce qu'il y a 4 minutes? Allez, c'est. On sait surtout c'est qu'il y a 30 minutes à jouer derrière. Oui, maintenant. Et il va falloir que le PSG, moralement, soit fort pour se remettre de ça, parce que normalement, ça profite à l'équipe qui revient. Mais l'équipe qui revient, Madrid, elle joue à l'extérieur, elle a une prolongation à jouer à l'extérieur. C'est pas facile non plus. Germain. Wea. Il a fait peut-être jouer directement la prolongation. Il dira où il va, Monsieur Poul. Il faut que Georges aille devant. Ricardo. Valdo. Oh, que c'est dur. Le Gouen. Colter. Valdo. Face à Nendo. Et Georges, devant le but, Georges. Centre. Oh, il y avait Daniel Bravo, il y a Wea. En retrait pour Guérin. Il n'est pas passé, Vincent Guérin. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, il avance. Et ben voilà le quatrième but.
Alors là, là, on en est à 50 minutes. Non, mais là, non. Là, ça montre de s'arrêter. Mais en tout cas, quel suspense encore. Parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus. Avec un coup franc que va tirer Valdo. Wea est devant le but. Campoiré aussi. Campoiré aussi, il est monté tête. Yeah. Marc Astrid à Anderlecht qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Oh, Arthur Georges, il ne peut même pas réagir. Et les photographes vont venir. Antoine, notre Nantais, qui est venu effectivement comme à Anderlecht, qui est venu comme il l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une. J'aurais envie de la tête d'aller en marquer une. Oh là 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 là, 4-1, 4-1. Et si le Real remarque maintenant, c'est le Real qui est qualifié. Et il y a encore un ballon qui traîne. Avec Zamorano qui est là pour mettre sa tête. Tête de Camboire. Allez, dégage. C'est Ramiz qui va récupérer à la lutte avec Colter. Mais c'est quand même incroyable. Hein. On en est à 52 minutes en seconde période. Allez, une longue devant en touche et ça sera fini. Daniel Bravo. Bravo toujours. Il est contré par Nendo. Ça y est, c'est... Non. Centre de Nendo. La main, il la prend. Oh, qu'il nous a fait peur. Heureusement qu'il a une détente de félin. C'est qu'il a traversé, travaillé sur ses plages en Guyane. On a cru qu'il était lobé. Il n'y a pas un juge de ça y est, c'est fini. Fini. C'est ça fini. Y est, c'est fini. C'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Camboire, Michel Denisot, ils sont tous heureux. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes dans une soirée de folie. Et après plus de 52 minutes en seconde période, le Paris Saint-Germain arrache la qualification. Ah, qu'il est beau notre football cette semaine. Qui fait bon en faire partie, qui fait bon être à leur côté, qui fait bon les regarder jouer. Ah ça, ils peuvent faire cadeau de maillot au public parce que le public du parc, il a été à la hauteur aussi. Mais quel match quand même. À 3-0, c'est sûr, c'est gagné. Le match est fini. Le temps réglementaire est terminé. Il ne peut plus rien arriver. Ben, s'il arrive quelque chose, il arrive un but de Zamorano. Alors là, à 3-1, c'est fini. Ils n'ont plus le moral. Ils vont être abattus par le Real en prolongation. Il ne peut plus rien arriver d'autre. Eh bien, s'il peut arriver quelque chose, il peut arriver Antoine Campoiré du fin fond de son banc des remplaçants où il a été cantonné une bonne partie de la saison, qui vient mettre une tête dans le coin de Bouillot. Ah, il faut l'embrasser, Michel Antoine. Ça, ça arrête. Antoine devrait en profiter pour aller. Regardez, Denisot, Moutier. Ah là, Moutier, il était tout jeune, il n'avait pas l'air de ressembler à Charigues, comme on l'appelle maintenant. Et Bruno Germain, son expérience de la Coupe d'Europe avec Marseille, ben le voilà tout simplement demi-finaliste de la C3. Parce qu'on peut considérer que Marseille est demi-finaliste de la C1. La demi-finale, ce sera contre les Glasgow Rangers ce 7 avril. Auxerre, demi-finaliste de la Coupe de l'Union Européenne. Le Paris Saint-Germain également. Trois équipes françaises en demi-finale la même année. C'est exceptionnel. Et le rôle de Bravo et de Camboire, de joueurs discutés, de joueurs en difficulté cette saison, il a été capital dans cette fin de match. Ça prouve que les remplaçants de PSG, eh bien, ils ont fait leur œuvre aussi. Et ça, c'est assez sympathique et c'est assez sain. Que ce vestiaire va être heureux. Que ce vestiaire va être heureux. Avec Daniel Bravo qui retourne et Camboire toujours sur la pelouse. Il savoure Antoine. Après son coup de tête magique du parc Astrid. Alors Antoine, il va être direct dans les vestiaires, mais Antoine, il va être au micro. Bientôt d'Eric là. Eric, oui, oui. Eric avec Antoine. Au côté d'Antoine Camboire. Antoine, racontez-nous le but, comment l'avez-vous vécu? Qu'est-ce que vous avez ressenti après? Je crois qu'il n'y a pas d'explication à donner, je crois que.
sur le coup d'avant, je suis malheureux parce que il y a une remise de la tête et un petit bar contre. Et je veux dire par là que le but qu'on marque, je crois que c'est la compilation de beaucoup d'efforts. Je crois que sur le match, il n'y a rien à dire. 3-0, il y a beaucoup malheureux ce but. Et après, je crois que la qualification est amplement méritée. Mais vous êtes très calme là, vous n'avez pas envie d'être surexcité ce soir? Non, mais je crois que c'est un bien pour nous tous, pour l'équipe, pour le club. Mais il faut penser qu'il y a la suite du championnat. Et puis, je veux dire, on n'a rien gagné pour l'instant. Oui, mais pour vous aussi, ça fait deux fois que vous sauvez le Paris Saint-Germain. Ben, je crois que je lance la balle maintenant aux dirigeants. Et à eux, de... je crois que la balle est dans leur camp. Et puis, nous, on fait ce qu'on peut faire sur le terrain. Et puis, je crois que si on partait la finale de son boulot, je crois qu'on peut aller très loin. Merci. Allez, dans les vestiaires, le PSG, ça barde. Hein. Ça va chanter. Allez, cette équipe de PSG. Oh, George. Et quelle fête ça va être à Lens dimanche. Parce qu'il y a Lens, superbe public, superbe stade, superbe équipe qui accueille PSG. Antoine Kombouaré a dit ils n'ont rien gagné, mais je crois qu'ils ont gagné plus qu'un match. Parce que battre le Real Madrid, entrer dans les demi-finales de la Coupe d'Europe, peut-être trouver un public à Paris, ce qui est quand même important, et faire de Paris que ce soit un grand club, comme Marseille est un grand club, comme Monaco malheureusement qui a été prématurément éliminé de la Coupe d'Europe, eh bien on peut dire une chose, hein, à la Hidalgo, vive le football français. Ouais, bah, ça c'est vrai, c'est pas ce soir qu'on pourrait dire autre chose, c'est pas ce soir qu'on a envie de critiquer et d'entendre des jérémiades. C'était beau, c'était superbe. Pendant 3 jours, ça a été beau, ça a été superbe. Et dans 3 semaines, ça recommence. Parce que dans 3 semaines, on a encore 3 équipes françaises en Coupe d'Europe. Quel régal encore à venir. Alors où on en est là? On ne sait plus trop quelle heure il est. Normalement, on devrait rendre l'antenne dans 2 minutes. Hein oui. Oh, on va attendre encore. Ah, oui, vas-y. Oui. Quasiment sous la douche avec David Ginola. David, quel but encore une fois, sauveur quasiment pour le Paris Saint-Germain. Et quel match aussi, il faut le souligner, d'Antoine Kombouaré qui vous sauve encore une fois. Ouais, mais c'est un match à suspense, autant pour les spectateurs que pour nous. Je crois que 3-0, c'est, ça semble acquis et on prend un but vraiment, en plus à 3 minutes d'arrêt de jeu, l'arbitre a laissé jouer un peu plus longtemps. Et Antoine met ce but, je veux dire, c'est fantastique, je veux dire, pour le cœur, c'est terrible. Quoi. Vous ressentez que vous êtes en train de vivre l'un des moments privilégiés de votre carrière de footballeur, en attendant mieux, bien sûr. Alors, j'avoue que personnellement, c'est le top de ma carrière, je veux dire, émotionnellement parlant, au niveau de tout ce qu'il y a autour, et bon, de quart de finale de Coupe d'Europe contre Real Madrid, éliminer Naples, Anderlecht, Salonique, Madrid, je veux dire, c'est fantastique. Pour une première année européenne pour le Paris Saint-Germain, Canal+, je veux dire, c'est son lien. Et je dédie le but à mon père, et coucou à ma mamie, et bravo à tous. Voilà, ça va être la fête ce soir. Oh oui, ça va être la fête. Et regardez Roche qui a été le premier à se jeter dans les bras de son copain David Ginola. Le Paris Saint-Germain après Bastia, après Sochaux et après Auxerre est le 4e club français à parvenir en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Et surtout à nous avoir procuré un plaisir fabuleux. Michel, il avait d'abord serré en fin de match aussi. Hein. Oui, c'est magnifique pour le spectacle. Mais bon, on aurait préféré quand on restait à 3-0 ou à 2-0. Non. Donc je crois que le manque d'expérience, bon pour le spectacle, d'accord, mais pour un entraîneur, c'est pas logique ce qui s'est passé à partir du 2-0. Parce que je crois qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont marqué le 3e but, ok, mais ils ont pris un but et à 3-1, c'est les prolongations. Ils marquent le 4e but. Pour le spectacle, bravo. Pour la télévision, bravo. Michel. Mais les entraîneurs ne seront pas contents. Vous voyez, on a déjà commencé à arroser ça dans le vestiaire du PSG. Et puis dans les douches, derrière nous, c'est en train de chanter et de danser. Regardez, Ginola, Simba, Lama, Wea, toute l'équipe, pas toute l'équipe encore, mais petit à petit, il y a Paul Le Guen, le capitaine, qui va les rejoindre maintenant pour la fiesta du Paris Saint-Germain, tombeur du Real. Ouais, pas trop de fête, le championnat reprend et dimanche, ils sont encore à l'antenne avec une équipe de Lens. Ça va être superbe, il y aura 40 000 spectateurs à Bollard. On va encore passer, c'est à 22h30. Juste après le film. Oui. Ah, 22h30 dimanche soir sur Canal avec le reste de l'équipe du dimanche. Une petite loupe pour terminer, parce que je pense que Thierry Burgalière doit avoir braqué sa loupe sur un des buts, donc un des magnifiques gestes qu'on a eu toute la soirée. D'ailleurs, quand Valdo a la balle, on est sûr qu'on aura des beaux gestes. Thank you.
Et c'était le but, bien sûr, ce but de David Ginola, sans doute le plus beau, peut-être pas le plus émotionnel, mais en tous les cas le plus beau. Et on vient d'apprendre donc que Dortmund mène maintenant 2-0 devant Rome à 4 minutes de la fin, ce qui fait que Dortmund, pour le moment, est qualifié et que donc en demi-finale, on retrouvera Auxerre, la Juve, Dortmund éventuellement et, c'est sûr, le Paris Saint-Germain. Voilà, et ben c'est l'heure d'aller fêter ce football français, peut-être en tous les cas. Cody Foot, vous voyez comme il est heureux, autant que Comboiré, autant que les joueurs de PSG, autant que l'étaient les joueurs de Marseille et les joueurs d'Ajax. C'est tout le football français qui fait la fête ce soir. Non, pas d'Ajax. Hein. D'Ajax, d'Auxerre, la JA sans X, Auxerre. Voilà, effectivement, et cette soirée se termine par la note que vous avez donnée au match, 15,05. J'imagine que le temps dépassé par M. Poul y est pour beaucoup dans cette note. On était en direct ici au Parc des Princes avec les moyens techniques de VCF, la réalisation de Jérôme Revaux. Rendez-vous dimanche pour une équipe du dimanche un petit peu spéciale au programme, notamment Lens Paris Saint-Germain. Merci Michel, elle était belle la soirée. À bientôt pour un autre grand rendez-vous de Coupe d'Europe. À Turin. À Turin, pourquoi pas. Salut à tous. À Flelou et moi, on est fous de foot.